La Maison des Sports de Clermont-Ferrand qui accueille la cinquième étape des Masters 2018. Bienvenue sur la chaîne L'Équipe. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Luc Robert, qui a moins chaud que moi. Moi, ça va bien, là, j'ai bien chaud. Ça va, Jean-Luc ? Moi, ça va. Oui, je suis un peu comme vous, j'ai un peu chaud, mais ça va. Ouais. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Ils vont avoir chaud aussi. Ils vont nous donner des sueurs froides, peut-être, les protagonistes de la finale 2018. Une équipe Sario qui, grâce aux points inscrits à Clermont-Ferrand, ont quasiment validé leur billet pour le Final Four de Istres. Et puis, l'équipe Montoro qui a entamé une improbable remontée en deux étapes. L'équipe Montoro qui était complètement à la rue en arrivant à Ilkirch la semaine dernière, qui s'en est sorti à la première partie contre l'équipe locale de Michael Feiertag, mais alors par le plus grand des miracles. Et puis finalement, ils ont gagné les demi, la finale. Là, aujourd'hui, pareil, ça les a remis en confiance. Et là, voilà, ils ont remonté plus qu'improbable, puisqu'on les voit, ils sont maintenant passés à la quatrième place. C'est alors ça. Qu'ils étaient, au fond du saut, oui. Enfin au fond du classement. Et même au fond du fond, en dessous même du saut, j'aurais dit. Mais... Et puis là maintenant, mais les revoilà. Hein. De toute façon, voilà, on sait que c'est des joueurs de talent, qu'un petit déclic suffit des fois à leur faire de grandes choses. Ben voilà, ils sont en train d'accomplir ce qu'on ne pensait pas spécialement possible il y a encore une semaine. Mais... Ils sont en train de le faire. Et le coup d'envoi de cette finale donné par l'équipe Sario. L'équipe Sario, composée ben voilà, de Christophe Sario, Damien Hureau et Christian Fazino qui s'en va pointer le premier. Là, c'est l'équipe Montoro, Ludovic Montoro, Mason Durk et Jean-Michel Puccinelli. Ça peut bien démarrer. On va pas être pire que la farine. Ça sera pas tout le temps pareil. Et elle est belle, cette première boule jouée par. Elle est bien jouée. L'ancien, j'ai envie de dire, avec tout le respect qui lui est dû. Elle est bien jouée, elle est montée très haut. Et elle a bien tapé. C'est manqué de la part de Maison Durk. Ouais, c'est pas grave, cette fois. Allez, allez, mais ça, un coup sur deux, c'est bien. Maison Durk qui a fait une belle demi-finale. Hein. Ouais. Bravo. Bien tiré. Voilà, Maison Durk en demi-finale, c'était plus ça que sa première boule. Allez, Kiki. Et un carreau maintenant qui est enfin, un petit carreau recul qui est bon. Ah ouais, pareil. Ouais, joue bien celle-là encore. Si tu peux. Bah sur ce terrain-là, quand on est dans un rayon de 50 cm, c'est bon. Ah oui, et c'est surtout que ça change un peu la donne de jouer le premier pour essayer de faire un bon point. Mais après, quand on joue pour gagner un point qui est bon, des fois, ça peut être un tout petit peu différent. Enfin, s'il joue aussi bien que la première. Ah ben, bien joué avec un petit bec. Bravo, bien. Un petit bec au passage. A gagné. Bien joué deux fois Christian Fazino. Bien, bien, il est beau. Hein. Ah ben, je ne le rejoue pas. Hein. Ah oui. Tu peux pointer une, non, Ludo? Tu peux pointer une, Ludo, tu peux envoyer comme lui encore. Hein. Je le gagne, c'est bien, tu le perds devant, je peux tirer. Ah, il y a un peu de place encore. Allez, donc. Comme lui, juste un peu plus haut. Allez, donc. Dans le bouchon. Allez, bon. Voilà, on est venu en famille. Évidemment. Madame Sario. On l'a aperçu sur les images toujours belles et pertinentes d'Hervé Croza et de ses équipes. Bravo. Il jouait. Hein. Ah oui. Je le voyais un petit peu à l'extérieur du jeu, mais il a filé un coup d'un. Un effet rentrant. Il y a la boule. J'ai bien pris l'effet.
Il a tout résumé, Jean-Michel Puccinelli. Allez, Damien. Damien Hureau, champion du monde en 2004. Ouf. Oh, il est un poil court, mais elle est partie complètement de travers. Juste court, Damien, c'est dommage. Ah, et celle-là. Allez, ben, pousse, hein, parce que je suis là, je vais te dire. Ah, ouais, non, allez, Damien, celle-là. Allez, Damien. Allez, c'est pas grave. Allez, fais jouer, Damien. Bien. C'est mieux. Bien tiré, bien. Et ta première, elle a fusé à l'équerre. Hein. C'est le fuse droit. Ah, Damien Hureau qui a déjà remporté ses Masters plusieurs fois, et notamment en 2013, c'était déjà avec Christian Fasino. Allez, petit père. Il y avait Suchot et Kenté avec, non? C'est bon point, j'ai gagné, mais... Ouais. J'ai gagné dans la principauté de Monaco, semble-t-il. Après, je peux pointer la mienne aussi, hein. On tape, ça fait jouer. Ah ouais? Tiens, elle est bien revenue quand même. Jean-Michel Puccinelli. Ouh, ils prennent le risque de tirer maintenant. Ah, bien, bravo! Bien tiré, bravo! Parce que là, s'il a un tout petit peu moitié boule qui pète les deux, du coup, le camion, le carreau de Damien Hureau, il aurait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il aurait été compté. Tu veux, Chris? Hein, tu veux pointer, tu pointes. Les deux écoles sont bonnes. Hein. Les deux écoles sont bonnes, hein, parce que je vais dire. J'ai vite fait de le perdre, même celui de Damien, comme tu veux. Allez, je vais tirer alors. Ah. Allez, allez. Allez. Là, on sait pas. Hein. Allez, Toff. Allez. Contre-attaque. Eh oui. Allez, essaye de la pousser, Toff. Ah, c'est pas déjoué, hein. C'est vrai que le petit recul de Damien Hureau, il est bon. Voilà, ah, super. Ça, c'est une bonne drôle de bonne idée qu'ils ont eu là. Bien tiré. Ils ont bien fait de faire confiance à Christophe Sario qui est en grande forme sur cette étape Clermont. Il n'est pas depuis le début des Masters, il est en grande, grande forme. Ouais. Ah, tu peux le gagner encore. C'est la paternité. Oui. Mais celle-là, je l'ai déjà, sorti, mais vous n'étiez pas là. Eh ben non, donc vous ne pouviez, pas savoir. Eh ben non. Même si je vous ai écouté hein, pour voir si vous n'étiez pas n'importe quoi quand je n'étais pas là, justement. Regardez si elle n'est pas contente, Madame Sario, à côté de Maria, la compagne de Philippe Quintet. Papa, il a fait un carreau. Enfin, je suppose. Hein. Faut mieux jouer ça. Oh, bon. Oh, là, 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 là. Quel début de finale. Hein. Quel début de finale de la part des joueurs pour l'instant. Damien, je te dis, peu des fois, on ne sait jamais. Oui, de la part de Lino. Tu claques Montero. Les deux, je vais te dire, on ne sait pas. Pour l'enlever, celle-là. Ah, on fait passer encore. Bon courage. Allez, Christophe. Ah, il y va, allez, mais... Tu gênes de rien, Chris. Ah, ça peut passer, elles ne sont pas collées. Hein. Ouais, ça peut passer. De toute façon, le point peut toujours être à eux derrière. Si on voit les deux... Bien tiré. Ah, bien tiré, il fait deux carreaux. Hein. Ah. Il y en a deux. Ah oui. Ah, on va bien. On dirait bien qu'il y en a deux. Ah, oui. Bien. Ah, elle nous a touché, elle nous a crevé là. Vous pouvez nous passer la fuite sur les deux là. Hein, toi aussi? Oui. Ouais, on préfère la leur, non? Non, mais il y en a deux. Vas-y, alors, le Montero qui a fait appel aux arbitres. Il a raison, il a raison. Massa, arbitre national et le vote international. J'ai une patate. Vas-y. 60,4. Plus que ça. Mais... Non mais c'est pour dire qu'il y en avait deux. Sans commentaire. C'est pour dire qu'il y en avait deux, qu'il y a beaucoup, quoi, voilà. Elle n'a pas resté dans le... Ah oui, elle n'a pas resté, elle est au bout de l'arc, là. Bien sûr. Après, elle a bien tiré, mais elle a Jean-Michel Puccinelli, boule importante. Allez, Jean-Mi. Il fait reculer toi-même, elle ne peut pas partir les deux. S'il gagne le point. On refuse. Il a joué, ça. Bravo, bien joué. Et une première main époustouflante. Un niveau de jeu énorme. Et l'ouverture du score en faveur de l'équipe Montero. Oui, parce que là, il y avait moyen d'en laisser deux facilement. Hein.
deuxième main de cette finale des Masters 2018, cinquième étape à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. Et oui, on est parti sur des bases très très élevées. C'est là qu'on voulait. Après cette première main. Oui, la première main. Magnifique. De très haute tenue. Il y a eu 10 boules, je crois, jouer sur 12. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça y est. Celles qui ont été jouées, elles l'ont été plutôt bien. Allez, Ludo. À Ludovic Montoro. C'est un kiki. Ouais. Tu peux en approcher une. Oui. Pas grave, hein. Bah oui. Allez. Hein? Allez, allez. C'est le jeu, hein. Allez, comme vous voulez. Allez, approche-en une. Bien qu'il y a le bouchon devant, hein. Ouais, ou non. Même tu pointes, tu viens là, c'est bien si. La tirée, ça paye que si tu fais carreau. Allez. Allez, derrière. Ah ouais, ouais. Comme allez. Moi, j'en ai rapproché une là-dedans, on sait pas. Plus court. Hein? Il y avait un peu plus court. Oui, mais bon. Pour une fois que j'ai l'impression que Christian Fasino veut le tirer, c'est bien. Christophe Sario qui lui dit d'en prêter une. En général, c'est plus souvent le contraire. Hein. Ouais, mais c'est pour continuer dans leur relation, ils sont toujours d'accord. Bravo. Bien joué. Ah là, oui. Allez, là, ça va passer. Bien, Kiki, bien. Allez, continue, je vais Christian. Bien, bien. Aïe. Ça là c'est envolé. Mmh. Allez, c'est pas grave. Ah, ouais. On prendra plus devant le boule. Allez, ouais. Pousse là. Allez, Messon. Allez, il y a le bouchon, il y a tout. Allez, Messon. Bravo. C'est mieux. Bien tiré. On prendra plus devant le boule au moins. Allez, continue. Allez, Christian. Il m'a fait mal là-bas. J'ai envoyé où là? J'ai envoyé là. Là-bas. Christophe, t'as vu où il avait envoyé ou pas? Ouais, t'as envoyé là, t'as envoyé Kiki. Là? Là, t'as laissé venir? Allez. Bravo. La même. Bien joué encore. Ouais. Ouais, la ça, même. C'est parfait. Bien, bien, Kiki. Ah, j'aurais mieux aimé qu'elle s'écarte. Tu l'as gagné, c'est bien. Je... Allez, fais jouer encore. Gagné, oui. Bravo. Bravo, Jean-Michel. Bien. Ouais, ça continue, hein, ça joue. Ça ah, joue bien. Pareil, hein. Ça joue gros. Ouais. C'est un beau trou, là, je vais te dire. Hein voilà. Non, ouais, on va envoyer un peu plus loin. Une fois, là. Ouais. Allez, essaye. Allez, Chris. Christophe Sario, lui, il va envoyer un peu plus près du bouchon. Parce qu'en général, il les envoie un peu plus haut. Super. Bien joué. Bravo, Chris. Bon homme, bien. Ouais, Jean-Mi, faut aller, frère. Oh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a répondu bizarre. Hein. C'est la tienne, moi. On remarque qu'on ne sait pas des fois. C'est un peu de bouchon. Si le gagne, c'est bien. Le père, je tire après, on n'a pas de rien de moyen. Pareil, non c'est pareil. C'est plus de jeux en venant dans le bouchon, c'est pas Ludo, non ouais, mon Ludo, ils ont été trois fois là. Eux. Ouais. Ouais, après, même tu le perds, je tirerai la dernière, c'est pas grave ça. Touche pas, touche pas, touche pas, Ludo. Vas-y, le bouchon un trou, Christophe. Non, touche. Non, non. Christophe, il a bouché un trou. Si, si, si. C'est droit de boucher un trou. Si, 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 si. Ah ouais.
Ah, on touche, c'est si on touche rien, on touche rien. C'est ça, c'est son trou. Ah bah oui, c'est bah oui. Pas ça, c'est oui. Le droit, le droit de boucher un trou. Oui, 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 d'accord. Encore lui, là, la grande machine. Là. Ouais, allez. Mais parce que Michel, lui, il me dit, j'ai envie de dire, moi, pour rire. Non, mais... Vas-y, mon kiki, régale-toi. Ah oui, là, je vais me régaler. Hein. Ils ont bouché deux. Oh là bravo là. Bien joué. Allez, Damien. Allez, Damien. Allez, essaye de faire jouer la dernière, ça serait super. Allez, Damien, encore. Bravo. Bon. Ah ben, ça s'est fait aussi. Bien. Bon, bien bon, chéri, bon, bon, bon. Jean Bouchon, c'est bien. Ah oui, oui. Parce qu'on est dans la boule et tout. Ah oui, ça, Jean Bouchon. Allez, Jean-Mi, c'est dans cassé, hein, déjà. Et si t'en bouchon, on te dit rien. Je rentre, ce sera bien déjà. Je dis, si t'arrives à en couper un, hein, c'est bien. Ah ouais, parce que. Si t'en bouchon, on te dit rien. Hein, Jean-Mi. Si il en bouchon, je dis bravo. Allez, ouais, essaye. Vous n'allez pas être le seul. Vous n'allez pas être le seul. J'en connais deux qui vont penser comme vous. Allez, Jean-Michel. Oh là, oui. Oh là, oh, ben c'est fait. En fait, il faut demander. C'est ça. On a l'impression de jouer à... avec une manette. C'est bien. Oh là, tu vas jouer, ça. Si tu te sers bien. Allez. Là, même, tu peux faire du gros jeu. Allez, essaye de la toucher. La dernière boule. Attention, les gars. Sario, une pour Damien Hiro, une pour Christophe Sario. Faut qu'il touche terre avant. Bouchonné sur commande, ça c'est beau. Hein. Non, ah, il court. Bien. Oh, c'est petit là. Pas de courbe. Qu'est-ce que ça m'agace ça. Elle est pas tirée. Ouais, c'est dommage. Dommage, c'est nul. Allez, essaye, tant pis. Hein. Tiens, une nature, hein. T'as nul, ah, et puis c'est tout. Hein. Si ah, tu la prends. Si tu la prends trois quarts à droite, tu peux même en faire deux encore. Allez, Toff. Tire la normale, Toff. Tire la normale. Je vais te dire, en tapant, ouais. Tu annules. En non. Tapant trois quarts à droite, allez. T'en fais deux. Allez, essaye de la toucher. Déjà. Ouais, c'est un bon début, ça. Oh. Il l'a touché, mais... Ah, c'est pas de ta faute. Pas assez. Dommage. C'est pas oh, faute. Ça s'est joué à quelques centimètres. Mais bon, c'est l'équipe Montoro qui engrange un point de plus pour mener 2-0. Ah oui, mais ça fait deux fois que c'est Jean-Michel Puccini qui se retrouve dans des situations compliquées. Ah, tu fais ne serait-ce que ça, c'est bien. Oui. Moi, je te la décale, après tu... Ah, il va embouchonner aussi. Il est bien joué, mais bon. Il n'embouchonne pas. Ça change rien. Tu tires pas pareil. Je continue. Si tu tombes dedans, même si tu peux faire ton marque, non. M'en fous. De là. Derrière le bouchon, Christian. Derrière le bouchon. Tu n'as pas le droit de ça. Oui, Jean, il fait le choix. Oui, ça, c'est la première étape que j'entends ça. Ah, ouais. Oula, 9 mètres. Maître Ludovic Montoro pour lancer cette troisième main. Bien joué. Elle a voulu aller là. Bien joué. Bien joué, ta boule. Il n'y avait que ça. Comment c'est terminé, t'en as perdu deux. Allez, Damien. Allez, continue, Damien. Allez, fais-moi de la place. Bon, il
a fait le ménage, surtout. Là, c'est normal, on joue pas bien. Bien tiré. Non. Men annulé. On joue pas bien. Je veux dire, si on continue... On manque les bonnes. Je pense pas qu'ils vont tenir. Voilà. Parce que là, ça fait deux coups qu'ils nous ont fait. Ils n'ont pas marqué. Pas joué les bonnes. T'as fait deux carreaux là-bas. Là, là il embouchonne. Si... Oui, mais bon, s'il embouchonne pas. Pour le moment, ça réussit. Il a raison, Christian. Enfin, dis donc, parce que Christophe Sario qui dit on joue pas bien. On joue pas bien. La première main, lui, il a fait deux carreaux. Damien, il en a fait un. Ouais. Christian Fasino, il a mis deux dans le bouchon. C'était pour le gagner. Normalement, c'est les coups à Christian, ça. Que des pierres. Là, après, là, ils en ont. C'est vrai qu'ils ont manqué la boule en bouchonnée, mais jusque-là, ils avaient encore bien joué. C'est bien, là. C'est que des blocs. C'est un coup de main, là. Allez. Bien joué. Faut 7 mètres 10. Ouais, je pense qu'on va y aller. Bah, c'est pas qu'il est court, c'est que je peux le perdre. Hein. Allez, vas-y. Allez, fais-moi de la place, après je peux le gagner. Allez, essaye de la pousser. Allez, Damien. Allez, Damien, encore. Juste derrière. Il faut y retourner. Hein. Déjà, faut le gagner. Et... Comme on veut. Tu pointes, tu prends un palais, on est beau dans la même. Je veux bien pointer, mais ouais, je peux le gagner encore. Hein, ah vas-y, bah allez, vas-y, prends-en une. Comme on veut, hein, on allez. Peut. Ben oui, puisque de toute façon, Christophe Sario voulait tirer donc. Allez. Allez, Christian. Parce que là, c'est cohérent. Vous êtes pas assez pour le moment. Le problème, c'est pas de le gagner le problème. Oui, Au bout d'un moment, peut-être un petit peu quand même, parce que celui-là, ça sera difficile de le gagner à tous les coups. Mais c'est Bouchon fait. Bien joué. C'est fait. Alors, tirez pas le bouchon, là. Ouais, mais ça. Allez, vieux, continue. Bravo. Ouf. Petit carreau. Bien, mais ça, le mec. Le bouchon n'est pas parti. Je sais, mais bon, déjà qu'il est dur à gagner, il tire bien. On a qu'à tirer, nous. Il faut le gagner, celui-là. Allez. Allez, Christian, on fait l'effort de le gagner, c'est le problème. Allez, joue là aussi bien. Là. Est sorti de sa main, Christian Fasino. Ben. Il n'était pas content. Il a dû s'apercevoir ou qu'il avait manqué la donnée ou qu'il était un petit peu long à la main. Tu auras celle de devant, Christophe. Non, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Il y a celle de devant, il peut faire petit palais, monter. Bah, tu tires déjà, on ne sait pas ce qu'il fait. Après, si tu peux croiser, il peut cadrer. Déjà, s'il casse la boule, après, on verra. Moi, j'aurais pointé, mais bon. T'aurais quoi ? T'aurais pointé. Non, c'est pas de jeu. Bah, tirez alors. Hein ? Tire alors, vas-y. Non, faut on va tirer. Allez, tire à la boule, tu la tires bien, on sait pas, on peut tirer derrière. Ah bah vas-y, tire alors. Allez. Mais on va rejouer derrière. Ça sert à rien. Allez, Damien. C'est pas évident pour Damien Hurouet d'y aller là, parce que on peut pas dire qu'il soit porté carrément vers le rond. Non. Pour la main. Voilà. Eh bah. Pour demain, bah, hein? T'es court. Je suis pas dans la boule en tout cas.
Alors, là, il y a danger. Gros, gros, gros danger. Deux points par terre. Il aurait mieux valu que je le gagne pas. Des roses. Et puisse tirer nature. Deux points par terre pour les roses, pardon. Deux boules à l'avoir chez les rouges et quatre chez les roses. On va pas aller loin. On va bien là, je sais pas. Tu veux pas tirer dans, non. Dans un terrain non. Plus ou moins normal, là, il aurait tiré au but. 0-2. Là, il se trouve que c'est des terrains qui sont un peu compliqués à tirer, donc je sais pas, il n'y a même pas de discussion possible apparemment. Après, ceci dit, en général, Christophe Sario, il pointe bien dans ce genre de terrain, donc il se dit qu'il va bien joué, limiter la casse, mais après, c'est que ça dépendra plus de lui. Il est superbe, hein. Déjà pas mal. Ouais. Moi, je jouerais pareil avec la boule. Hein? Oh, il aurait mieux valu que je le gagne pas. Oui, je voulais acheter un peu venir. Mais... Moi, je jouerais avec la tienne. Hein? Allez. Hein? Là? Ouais, je joue la même. Hein? Si des fois, la tienne encore. Essaye de toucher ta blanche. Des fois, tu peux la coller derrière. C'est ça. Voilà, s'il la prend un peu, il peut la mettre à la sauter. Ah, c'est bien joué, mais. Il va manquer un poil. Ouais, il n'a pas repris, bien. Mais en même temps. C'est la mienne. Ils sont un peu pénibles. Hein. Ah, en même temps, oui, c'est. Elle doit être en plein milieu. C'est la plus près. Hein. Voilà, oui. Tiens, ça. Hein. Parce que tu vas contenir. Tire, on peut la mettre une chacun après. Allez, mais sonne. Tiens, celle-là, tu peux l'écarter, celle-là. Allez, tire bien celle-là, bien comme il faut. Continue, là. Allez, mais sonne. Il a pas tapé. Ouais. Pardon. Il a pas tapé la bonne. Du coup, il a eu contre. Allez, Jean-Mi. Il n'y a pas encore le feu. Non, ils ont trois boules pour en taper deux. Ils en défendent deux. Donc, bon, il n'y a pas de. Et puis, des fois, en tirant bien avec une, il peut casser les deux. Comme elles sont placées. Allez, j'ai bien tiré ta première. On en a deux pour marquer. Voilà, il a raison. Ludo. Tire bien la première, c'est pareil. On fait 4, c'est payé. C'est dur. Bravo Jean-Mi. Bien tiré. Bravo. Eh ben, 3 en tapant. C'est ça. Tiré la plus dangereuse. On fait juste à pousser ton P3. Allez, mon frère. Oui. 4. Allez, vieux, fais encore un petit effort. Allez, Jean-Mi. C'est plaisir d'entendre parler comme ça. Allez, Jean-Mi, fais-moi montrer. Bon, faut peut-être expliquer aux téléspectateurs la remarque de Bézandur qui se fait plaisir d'entendre parler comme ça, c'est-à-dire de manière positive et encourageante, parce que sur la demi-finale, il y a eu des petits moments de tension. De flottement. De flottement, oui. C'est fine, ça. Eh ben, Ludo. Eh oui. Au boulot. Ah ben, Ludo. C'est pour faire briller Ludo, ça. Ah, c'est le capitaine. Voilà. Ah, allez, Ludo, ça à toi. Mal tiré. Tout seigneur, tout honneur. Allez, Ludo, fais-moi honte. Peut-être on n'en verra plus des mains comme ça. Allez, Ludo, fais une fois taper 3, c'est bien. Là. C'était bon, ça. Il donne le moral, c'est bien. J'ai pas bien tiré, moi, dans les deux. C'est moi qui t'en fais. Ouais, je tape, t'en fais 3 ou 4. J'ai l'habitude, un coup sur deux. Allez, Ludo, fais l'effort. C'est à moi de tirer. C'est pas à toi de taper la boule. Si moi je tape, toi tu fais un coup sur deux, t'en fais 4. Un point, tu tapes. Il y en a 2. Vous inquiétez pas, Ludo, il est là-bas. Je peux cadrer, moi. T'arrives pas à taper 2. Tu tapes 2, t'en fais 4 sans jouer. Est-ce qu'il va me faire mentir? Oh non, c'est le spécialiste, ce Ludo. Il est toujours là quand il faut. Les nerfs solides de Ludovic Montoro qui permet à son équipe d'inscrire 3 points et de s'échapper un petit peu au score quand même. Ouais, ça va être important hein, en dehors des 3 points qu'elle représente. S'il ne marque pas là, il y a moyen de s'enflammer très très vite dans cette équipe rose là. Ah, il y a du tempérament. Oh, oui. Mon Ludo, frère. Je ne sais pas si je l'ai passé de côté. Il y a un problème, On entame la 5e mène de cette finale. De l'étape clermontoise. Master de pétanque 2018. Je tire qu'un coup par mène. Tu as deux mains, un coup par main, je t'appelle. Je cherche un coup par main. Comment tu fais, ça m'a fait. Tu mets un coup par main. Montoro en rose. Ça te dit pas, là, qui mène 5-0. Je sais pas si il va pas faire le tirer avec ATX. Allez. C'est prêt, la carte, ça.
une course sur deux. Et tu marrant, tu sais que tu as manqué toi aussi. Non. C'est pas possible. Ah, si je vais décrocher, oui, mais juste pas droit, tu vois. Tu as manqué. Je sais. On a fait trois, c'est bien. Oui. Tu as fait un effort, toi aussi. Hein. Oui, voilà, oui, c'est bon. Oui. Tu as bien moi, t'en fais 4, 4, 5 sans jouer. Et la note seule, toi. Non, je t'appelle la bonne, non. Hein. Je t'appelle la bonne, je t'appelle la note. Eh bah, bien, il jouait. Il sait tout faire, ce garçon. La main, t'as tapé. Tu vois, tu dis que tu dis toi, là. Bien pointé, tiré juste. Ouais, si on peut en jouer un petit peu plus, hein, ça serait bien que tu me... Allez, tu me fasses un petit peu de place, ça serait bien. Allez, Damien. Allez, Damien. Bravo. Bravo, Damien, super. Bien, Damien. C'est bien tiré. Bien. Même si bien Damien Roux n'a pas l'air content. Bon, là, de la place. Il en a fait un petit palais. Ouais. C'est le Ludo Time. Ah, c'est ça, c'est oui. Allez, venez nous faire de la place, ce serait super. Remarquable. Allez, encore une. C'est le plus mauvais qu'il doit faire. Allez, encore, Damien. Allez. Il n'a peut-être pas envie de se faire engueuler, parce qu'en demi-finale, il en a joué une pas très bien, il s'est fait pourrir. C'est peut-être ça. Okay. Pas de Damien Hureau. Oh, vous allez me mettre. Hein. Non, on va tourner de toute façon. De toute façon, dans ce genre de terrain, un pointeur il finira toujours par user le tireur. Hein. Ouais, on va tirer de toute façon. Ah, entendu. Chose importante. Hein. Allez, essaye de me faire de la place. Ils vont tourner. C'est Sario oui. Qui a annoncé qu'ils allaient tourner. Allez, Chris. Laisse-moi mettre le goal, il n'y en a qu'une à tirer. Il n'y en a qu'une. On va avoir encore 20 au carreau là. C'est lui qui va le dire, t'as bien. On va avoir 20 au carreau encore à la sortie. Il y a tous les pierres. C'est déjà ce que je vais dire, la sonde. T'as la feuille qui est là. Allez, Jean-Mi. Ils pourraient tirer, ils en défendent deux, les deux boulots noirs, elles sont à eux, mais... Comme ils partent, ils sont partis du principe que Jean-Michel ne pouvait pas faire plus d'une sur deux, du coup, ils pointent celle-là et puis après, ils tireront quand il n'y en aura plus qu'une à taper. Bravo. Ah, bien joué. Bien joué. Ah, ouais. Ah, ouais, là, ils vont prendre encore le risque de tirer, mais. Attention. Allez, juste à pousser, Chris. Ouais. Il va y avoir un revers à cette. Enfin, pour la. Cette après c'est le jeu, il hein, faut prendre le risque, mais par contre il faut bien tirer. Super. Bien Chris. Wow. Il a cadré sur les deux du fond là-bas. Ouais. Ouais, déjà. Ah, j'ai cadré. C'est déjà ça. T'as cadré. La queue ? Ouais. T'as cadré, je peux plus tirer. Non, il tape un coup sur deux lui. J'ai fait exprès de le faire pointer. Allez Jean-Mi. Il a tapé le deux. Il veut pas vous boucher son trou. Non, c'est pas pareil. Ça va. Ah ben, incroyable, c'est mal joué. En pinçant le but, il a gagné alors, ouais. Apparemment. Regardez. On a monté trop loin, Jean-Mi. Ouais, parce que tu dois boucher ton trou. T'as pas joué au même endroit que la première. Trop loin, Jean-Mi. Ouais. Ah, mais je tapais sur une pierre quand même. Ah oui, oui. Si tu touches pas le but, c'est sûr. Bon, si tu joues au même endroit, tu tapes pas sur la pierre. Oui, c'est quoi, je tapais une sorte de pierre. Ah, moi j'ai vu. Là, tu as joué pour moi. Non, mais j'ai vu. Non, parce que j'aime pas. Pour moi, il est reparti. Déjà, moi là, pareil. C'est mon passé. Monsieur Massat et le Bots. Perdu, non ? Pour moi, il est perdu. 96,6 pour la boule jouée par l'équipe Toro. Moi je vois gros. Je vois gros à la boule. Non, 96. 1000 pour nous. 95,2.
Alors le point reste pour l'instant. Il l'a perdu. À l'équipe, ça arrive, ouais. Quand même. Donc l'avantage repasse dans les mains des rouges. C'est bon, tu as vu, c'est les 4 notes. Voilà, Messon, il faut envoyer là. C'est pas le jeu de tirer. Allez, Messon, t'as vu, il y a la feuille là, hauteur de la feuille. Allez, vieux, essaye. Bravo. Ah, bien joué. Ouais, en plus, il a pincé le but. Alors, il a mis de côté. Il a peut-être mis deux là, c'est ça? Mais peut-être, parce que le but. À droite, il a avancé, hein. Mais il est allé sur le côté. Non, voilà. Ouais, je pense qu'il est plus près. Ouais, c'est ça. Il est plus près là. Hein. Donc, je pense pas qu'il en ait fait deux, même s'il avait bien joué. Ouais, 90. 90,5. Ah, il y en a toujours. Ouais, hein. Kiki. Mmh. Ouais, mon Kiki, fais-nous démarrer là. Hein, ça serait bien. Essayer. Allez, tire-y bien là. Allez, Kiki. Allez, Christian. Allez. Allez, Chris. Allez, montre-moi. Allez, Christian. C'est un exercice. Exercice compliqué, hein, parce que c'est. Première boule à tirer de la journée d'ailleurs même. Ouais. Et bien tiré, ça, ouais, ça suffit. Ça suffit, hein. Bien tiré, ouais, c'est pas facile. Qu'est-ce que j'y ai mis? Allez, encore essaye si tu peux. Ah, allez, fais comme Jean-Michel tout à l'heure. T'arrives en bouchonné, tu les coinces. Allez, Messon, allez, Messon, fais jouer, oh, essaye de le gagner, va. Allez. Bien, bien. Bien. Il a gagné. Pareil. Ouais. Oh, je peux peut-être me gagner. Mais il y a 10 ou à 50, c'est pareil. Oui, tu as gagné, tu fais ça, moi, tu as la boule. Mais peut-être ça, que. Peut-être bien que. C'est simple. Tu fais tirer au chicken coup, j'en tape deux, j'en fais 4. Ça m'étonnerait qu'il tire là. Essayer, hein. Allez, si on marque, tu continues à tirer. Non, il va pas tirer. Encore une main. Tu veux prendre un coup? Non, celui-là, il est pas. Il a bien tiré ça là-bas déjà, mais. Parce qu'il était bon le point, mais là, celui-là. Il y a environ 70 derrière. Donc. Ils ont deux points. La sortie, tu peux marquer. Quand même. De la place, hein. Surtout qu'il y a un départ qui a l'air bon là-bas. Bravo, bien. Bien joué, un point. Et voilà, l'équipe Sario qui ouvre son compteur. Et qui n'est plus menée que 1-5. L'équipe Montauro. Change, attends, attends, attends. Je joue plus là. Ah, voilà. Ah, il sera pas bon. Hein. Bon, eh ben, allez, viens. Sixième main. Ça va pas jouer loin, cette sixième main. Allez, Kiki, fait tirer. Ça a l'air d'être propre. Hein. Allez. Allez, Chris. Si on fait zéro, qui est venu au plus près, choisir sa donnée. Bien joué. Est-ce qu'il va faire tirer ou pas, ouais. Ah oui, à cette distance, à 50 devant. Allez, mais ça continue. Allez, feu. Il n'y a pas de doute. Bon, ouf. On est un peu plus loin maintenant. Pile. On va dire ça comme ça. Ah oui. Allez. Ah ouais. Pas trop de réussite. C'est vrai qu'il était dans l'axe, mais bon, de notre côté.
Il avait fait un gros bouchon. 50 Il avait fait un gros bouchon. Ouais, Kiki. Ouais, ah ouais, fait tirer. Je sais pas, je peux pas te dire. Allez, nouvelle distance. Mettre plus d'un mètre plus loin. S'il a fusé sur le caillou. Allez. Ah, je suis mort. Comment tu fais de... Il a gagné, non? Il énerve de jouer, putain. Ouais, c'est... Je sais même pas si je l'ai gagné. Ouais, j'ai gagné, mais bon. Ah, oh, c'est un massacre. Hein. Bah, c'est peut-être pas plus mal. Bah, non, arrêtez un peu, oh, putain. C'est Sergio qui essaie de faire un peu du bois. Non, mais je sais pas pourquoi en fait, parce qu'il a voulu. Il a voulu envoyer après la boule alors qu'il peut très bien jouer à côté avec. Au pire, voilà, un petit effet rentrant, ou même s'il va 40 sur le côté, c'est pas spécialement gênant. Mais le fait de vouloir envoyer derrière la boule, c'est compliqué un peu les choses. Passer sur le côté, c'est ça. Ben là, je pense que Ludo, il va jouer à hauteur de la boule, mais sur le côté. Voilà. Bien, Ludo. Bien. Avec un effet rentrant. Mais au pire, même si elle rentre pas, on peut faire un point. Il y a un machin comme ça, juste avant. 30 ou 40 cm sur le côté, c'est quand même, ça reste un bon point. Ouais. Hein, hein. Oui. Si, si, tire-y. Ah oui. Bah, il est perdu. Il est perdu. Allez, Damien. Réveille-toi un peu. Ah ouais. Hein non, il est tombé. Un peu. Allez, Damien. Essaye. Allez, démarre maintenant, là. Ah. Allez, fais l'effort. Allez, essaye de me rattraper, j'ai pas bien joué. Et finalement, il tourne plus. Ouais, bizarrement, j'ai envie de dire. Ah, mais après, Damien, il peut retrouver la cadence, mais c'est surtout que je pense qu'il hésite un peu parce que Christophe Sario, quand même au milieu, pointe très très bien dans ce genre de terrain. Donc après, il suffirait que Damien se mette un petit peu dans le coup. C'est pas de sa faute, hein. J'ai qu'à le mettre beau après, ça change toutes les mains. Hein. C'est pas de mieux, on va tourner, je pense. Ouais, je vais tirer après, on va pas continuer comme ça. Bah, on aurait dû déjà là. Ouais, mais bon, s'il se force un coup. Allez, fais-moi honte là, j'ai pas bien joué. Ah ouais, ça c'est là, évidemment. Voilà. Évidemment, c'est vrai qu'il pointe bien sur ce terrain. Et oui. Allez, Messon, arrête de rebond. Allez, continue, va. C'est beau, c'est des soleils. Bravo, Messon. Il a fracassé la. Il a fracassé celle de Christian Fasino qui était derrière. Ouais, il y en a trois. Donc là, il y en a trois. Et donc, il y a le feu. Bah, c'est-à-dire. Le feu, je sais pas, mais 5 à 1, s'il profite un peu. Il y a moyen de faire le break. Hein. 3 points par terre, 3 boules pour en taper 2. Allez, Christophe. Allez, joue bien la tienne encore. Allez, essaye d'embouchonner. Fais un petit truc là. Ouais, là, il faudrait. Un gros truc, ce serait bien. Ce serait une drôle de bonne idée d'embouchonner à ce moment-là. Oh. Mais là, il est un peu long. Alors, est-ce qu'il a peut-être pensé envoyer tomber sur le but? De toute façon, je sais pas. Ils vont tirer quand même. Fichu. Hein. Je jouerai presque à la noire, Damien. On cherche à gagner comment? Je sais même pas. Moi, j'enverrai sur la noire à gauche. Je veux pas qu'il joue sur la première noire, là. Cherche. Ici, t'as qu'à gagner ici, ça claque encore les yeux. Quand bien là, tu peux prendre la boule, tu peux prendre le bouchon, on sait pas. Essaye de jouer avec la boule. Même à le perdre, c'est pas grave. De toute façon, ils vont sûrement tirer. Même à le perdre, si t'arrives à te coller un peu dans cette noire, là. Je pense pas quand même. On en perdra 3, peut-être 4, mais bon. Parce que là... S'il le perd, encore pas bon, les boules ne sont pas devant et ils vont pointer, ils vont essayer d'en faire 3 ou 4, ça fera 8 ou 9 à 1. Allez. Après, ça dépend où il le perd, mais. Bien joué. Bien joué. Eh bien, allez, encore une occasion.
Puis ça là, elle est belle. Bien joué, essaye, mais tu as la première. Allez, Jean-Mille, tiens, ta première. On peut tirer tranquille, elle lui donne encore une. S'il fait une sur deux. Allez, Jean-Mille. Il faut pas que le but y bouge pour les roses. Bien. Il a bougé. Et il a bougé. Alors. Damien Hureau, il vient de rattraper. Qu'est-ce que je vais faire ? Je tire à 4. Il vient de rattraper un peu de. Normal, c'est le Udo, un V2, c'est bien. Des tirs moyens qu'il a fait jusqu'à présent. Avec celle qui vient de pointer là, parce que là, si le bouchon ne bouge pas, ça risque de coûter cher, très très cher. Ah, mais je tapais, mais ça, on n'avait pas tiré, mais tu sais, qu'est-ce que je vais faire ? T'es obligé de dire qu'elle est tapée. Oui, mais qu'est-ce que je tire à côté ? Je tire à côté ? Il a mouchonné. Tu sais qu'elle est bien. Elle a mouchonné. Je suis content que tu tapes, elle tape une sur deux. Elle était là, ta boule en plus. Oui, 5 encore. Elle a manqué, mais bon. Mais tant pis, Ludo tapé, on en faisait 4. Quand tu veux jouer la boule, tu joues la boule, t'as mis 4 pareil. Ça veut pas une tu veux un peu tirer. Ah, Udo! Non, mais c'est parce que tu passais pas bien, c'était bien, tu l'as trié la boule. Ouais, mais attends, oui. Tri. On trie plus rien aujourd'hui. Je te connais. Bien, Matolo. Bravo, bien joué. Le moyen, c'est là. Qu'est-ce que. Le jeu moyen. C'est le gars qui nous fait. Hein, c'est bien, il a tapé. Oui, on trie plus rien, il a dit Jean-Michel Puccinelli. Moi, il y a un truc que je connais qu'on trie encore. Ah, c'est sûr, s'il fait deux piles. Et l'antille. Qui vient, ça vient de chez notre réalisateur. Hervé Croza qui nous régale. Grâce à toutes ses équipes techniques. Voilà, de ce genre de belles images. Allez. 7-1 désormais, c'est le score provisoire de cette finale de l'étape clermontoise des Masters 2018. C'est l'équipe Montoro qui va pointer la première boule de cette septième mène. Qui mène ? Oui, l'équipe Montoro qui est arrivée la semaine dernière avec 2 points en Alsace. Au bout de 4 au bout de 3 étapes. Faire, hein. C'est comme ça. Hein. Ah ouais, ouais. C'est les boules. Hein. Qui a marqué 10 et qui là est en train de mener 7-1 dans la finale de la 5e étape. Ça, c'est des, c'est des retours canon où je ne m'y connais pas. Hein. Là, Christian, il dort là-bas. Une remontada. Ouais, ça, c'est un terme que j'évite d'employer. Ah, ça y est, Ludo en a jeté une. Ouais. Et attention. Parce que il a tapé bizarrement. Je sais que c'est tout mauvais là. Les raccourcis parce que ça... après il n'y a que des pierres. T'as laissé un peu de place. Ouais. Ah ben Damien. Allez, Damien. Ah ben Damien. Il est bien, carrément pointeur. Allez. En premier. Allez, essaye de le gagner. Allez Damien. Ça pour tourner, c'est tourné. Hein. Ils ont compris qu'il ne fallait pas se mettre près là. Bravo, bien joué. Bravo, super. En même temps, c'est pas idiot d'avoir tourné comme ça. Même donne. Ouais, ça va prendre, ça va. Christophe Sario, ça voudrait dire quoi? Il reste milieu et c'est Christian Fasino qui prend un tir. Oh non, mais je pense que Christophe Sario va tirer. Ah, ouais, je pense. Ah, Besson. Va jouer milieu. Il met un peu de place, il est trop bon. Ah, Besson. C'est une bonne question. C'est un bon tireur, Christian Fasino. Oui, aussi, oui, mais... Il a rattrapé. Ah, ça c'est beau. Le truc c'est qu'il n'a pas spécialement de cadence parce qu'il a comme il a dans les, voilà. C'est pour il a rattrapé, ça. Poussé, fais-nous de la place. Il a tiré allez. Une boule depuis ce matin donc. Allez Chris. Après, allez, c'est un continue. Peu, hein. C'est compliqué un peu quand même. Allez, top. Non, mais vous avez raison encore. Hein. Encore une fois. Oh. Ah. C'est manqué. Vous êtes obligé de prendre le tir. Hein. Vous voyez ce que je dis ? La première qui tire. Mmh. Bah oui, mais elle est importante quand même. C'est attends. La place qui n'est pas bonne. Eh, oh. C'est la place quand même.
Allez, faut essayer d'en apprendre. T'as deux joues avec de... Ouais, je joue la mienne, on verra. Bah bien sûr, essaye de gagner, t'as super bien joué. Allez, on sait jamais, tu fais un petit devant de boule, là. Allez, fais un effort, ça va peut-être... un petit devant de boule en gagnant, là, ça rattrape. Ouais, allez, ça, Damien. C'est le côté optimiste, mais... De Christian Fazino, mais là, à ce moment-là, ouais, c'est vrai que c'est la meilleure des idées, hein, mais... Oh, à faire, c'est pas facile. Bien, bien joué. C'est du bon côté. Ah, mais... Ils sont encore mal embarqués. Hein. Jouer, hein, 7 à 1. S'ils cadrent pas de celle de derrière, ils vont se faire contre-attaquer tout de suite. Parce que... Je vais tirer. On va mais ils sont durs que va les tirer à celle de gauche. Hein. Après, il n'y a pas d'autre choix hein, que de tirer. De toute façon, en pointant, ils ne feront rien. De toute façon, moi, après, je vais presque pas tirer. Hein. Ouais, mais à 7 à 1, quand on va pas pointer 3 fois et se faire tirer dessus, ils ont 7. Non, mais je dis pas pointer 3 fois, mais... Bah, je sais, sur ce terrain, c'est... Allez, ouais, mais c'est le jeu, allez. Stockholm, là, non, mais là, en plus, on sait jamais. Allez, Christophe Sario, s'il tire bien, il peut rendre, pas mal. Prendre le palais ou le carreau, et à ce moment-là, ça peut retourner un peu la situation. Après, c'est que lui, il faut qu'il tire absolument, il faut qu'il tire ça bien, celle-là, quoi, voilà. Voilà, c'est fait. Bravo. Bien, c'est super. La première, je l'ai lâché. Bien. Si je fais ça, ma première, t'as l'avantage encore. Si je fais ça... Ludo, ça a le bonheur de le gagner dans le bouchon, tu ferais du tout le travail. Ludo, force-toi de le gagner. Il va rentrer, je le gagne. Ouais. Force-toi de le gagner. Mais jouer ta première. Allez. Allez, Ludo. Fais un effort de faire la reprise, là. Je tire, hein. Allez, Ludo. Allez, fais un effort. Allez, Ludo, essaye de rentrer, on verra bien après. Mais c'est dur que regarde Jean-Michel Puccinelli rigolant qui lui dit tu veux pas que je tire. Et qui connaît déjà la réponse, hein, puisque Jean-Michel a même pas pris la peine de répondre. Mais là, Ludo, bravo Ludo. Bien joué. Bravo. Eh oui, c'est bien joué. Le bouchon il vient démarrer, ça a pas mal. Oui, ça peut croiser, tu sais pas. Mais si le bouchon il est en face, même ça tire. De toute façon, même qu'il aurait pris n'importe où. Moi, je pense qu'il faut tirer quand même. Hein. J'avais presque pas le droit de tirer. Moi, je pense qu'il faut tirer quand même. On joue pour marquer. Ah. Que là, tu pointes. Le voilà. Pour marquer. Ah oui. C'est là, voilà. Dans la main, hein. Ça démarre. Là. Ah, c'est mademoiselle Sario. Quand même. Faut le gagner, celui-là. Non, c'est pas une question de le gagner. On s'en fout de pas gagner. Et bah, pointe, alors. Je viens ici. Allez, vas-y. Il suffit que je tape, le bouchon monte, ils en ont 3. Qu'est-ce qu'on fait? Joue, il te reste 30 secondes. Ah mais on s'en fout, on prend un carton jaune, c'est pas grave ça. On joue à l'envers à chaque fois. Pour moi c'est pas le jeu de tirer. Hein. Alors tout à l'heure là-bas, on bien, c'est risqué encore. On est 3 boules à 4, 2 points par terre, ils tirent. Ah Christian. Et là vous voulez pas tirer. Faut arrêter les gars. Moi je comprends pas. En fait, je me demande si c'est pas un numéro qu'ils ont monté tous les deux. Bon, ils ont pas un truc caché en plus de numéro de truc, parce que ça paraît. Je connaissais Réchaud et Frigo quand j'étais jeune. Ouais, non, mais c'est incroyable quand même. Fazino, jamais. Il n'y en a pas une qui va où il faut. Jamais. On voit sur la noire, essaie de la crever là, on voit dedans. Regarde. Mais on voit un peu plus loin. Je suis pas en face. Oui, mais on voit un peu plus loin, Kiki. T'en vois là, tu peux traîner le bouchon. T'as rien pour courir maintenant. Arrive dans la boule. Tu rentres dedans, tu prends le bouchon. En plein temps, ils abandonnent. Pas besoin, ça, vous, là. Ils abandonnent donc, ils complètement la marque. Hein. Alors, c'est vrai qu'en tirant, il y a un risque. Allez. Mais... Il dedans. Ah, en plein temps, ils abandonnent la marque en tirant bien. On ne sait pas. Hein, il peut faire un petit carreau. S'il n'y a rien qui bouge, ma foi, il peut encore jouer la marque. Là, en plein temps, il abandonne la marque en étant maintenant 7 à 1. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Voilà, mais... bien joué, là. Ouais, mais ça. C'est bien joué. Ah, mais ça, on fait un peu de place. Mais pour ne pas rester longtemps. Mais ça, on continue. Mais si Messon dure, tu iras bien. Ça ne changera pas grand-chose. Ouh. Ah, bah là, ça peut changer parce que là, il en aura filé 3, je crois. Ouh, 3, ouais. C'est pas terrible. Ça. Au moins 2. 2 sûr, ouais. Ah, pas ça, frère. 3 même. Oh, s'il fait 1m52 mieux, c'était bon. Oh, ça, alors. Ah bah allez Jean-Mi, tu vas t'esquicher, tu vas jouer les deux tiennes et on va marquer. Incroyable, toucher le bouchon et le mettre là au milieu. Je suis obligé de jouer dans ta boule. Tu envoies dans la mienne là. Oui, on envoie dedans, je la manque. Non mais dès que tu vas la faire rentrer. Je suis obligé de jouer un peu fort et si je la touche à peine, je vais parler. De toute façon le jeu il est là Jean-Michel. C'est là, tu peux pas, là c'est trop... Allez Jean-Mi,
ça. Allez, essaie de bien jouer ta première. Dès que tu fais rentrer, après, tu peux jouer la marque. Ah, pas ça. Allez, Jean-Mi. Ah, rien, il va aller mieux tout manquer, hein, c'est sûr. C'est pas possible. Bravo, super. Bien, ouais, bien joué. Déjà, il y en a. Déjà, il y en a coupé. Au pire, c'est. Mon avis, il en a coupé deux. Il doit tirer au point. Ma foi. J'ai fait une grosse conduite. Vous en avez trois par terre, donc t'as joué. Vous en avez plus qu'un. Vous en avez plus qu'un et tu joues la marque. Ah ben, s'il fera pas ça là, il aura fait ça maintenant. C'est là, quand même, le bouchon pour qu'il s'arrête au milieu des trois blanches, c'est. Ah ben non, le bouchon. De la sorcellerie. Il faut monter 1m50 de plus, t'en fais 4. C'est en marque, ça va encore. Fais un effort. C'est manqué. Sur une main qui se présentait bien, un petit coup du sort. Et c'est l'équipe Sario qui en profite en inscrivant son deuxième point. Qui ne crue pas, moi, toujours. Ouais, ça c'est quand même extraordinaire. 7-2, c'est désormais le score de la finale pour l'instant des Masters de pétanque. Ici à Clermont-Ferrand, c'est la cinquième étape. On est venu en couple, on est venu avec des enfants, on est venu en famille, entre amis, voilà, beaucoup de Clermontois sont venus garnir les tribunes de la maison des sports de Clermont-Ferrand qui accueille ses champions. 9m92, on va entamer cette huitième main au bout du monde. Et c'est donc, vous le voyez, hein, l'équipe Montoro, les joueurs en rose, qui mène devant les joueurs en rouge. Bah, je veux que je repointe. Allez, hein. Allez. Eh bah, ben, allez, Damien. Ça a l'air d'être pas trop mal. Après, je sais pas. Allez. Ouais. Allez, Damien. Allez, Damien. Allez, continue, Damien. Allez, essaye. Un peu. Allez là, bien. C'est pas si mal à près de 10 mètres. C'est ça, la distance qu'il y a. Sur un terrain comme ça. La distance qu'il y a, il est pas mauvais du tout. Et elle est passée un peu long, voilà. On va en prendre les contours pointés dans un premier temps. Wow, ça c'est encore bien joué. Ludovic Montoro Imperial. Ouais, surtout qu'il est tombé. Il m'a arrêté, mais comme le temps, je sais qu'il était maximum. Quand le téléphone, j'ai dû me faire. Il est tombé pile poil là. Ouais. Où il avait bouché l'autre. Il peut nous aider, on verra bien. Hein. C'est d'envoyer un petit peu plus loin si je peux. Ouais. On t'envoie par là, là, c'est pas mal. Je sais pas. Si je peux gagner un peu de terrain, c'est bien, non? Voilà. Allez, allez, tu peux faire le bec, tu peux prendre le but, tu peux tout faire. Allez, allez Damien. Allez, t'en approches une, on y tire après. Allez Damien. Allez. Oh. Voilà. Et ben, voilà. Ouais. Le bec et le but, Damien. Les deux. Super, un beau Damien, bébé. Bravo. Allez, bien, Damien, bien. Bravo. Allez, mais ça. Il a écarté un peu là. Point de Ludovic Montoro en plus. Ah c'est pas grave. Allez, un coup sur deux c'est bien. Allez, Besson. Ah,
je crois que c'est là, depuis le début de la partie, je crois que c'est la main où on joue le plus loin. Hein. Oh. Première trop court, deuxième pas droit. Mais bon, on est loin, loin, loin. Je peux la mienne. Il faut tirer de suite, hein, les gars. Il y a boulet bouchon, la première, il peut encore tirer, lui. Tu pointes, il va tirer après si tu rentres. Moi, j'aurais tiré de suite. Ça fait jouer. Après, si vous en pointez 3, il y a 10 mètres, il n'y a pas 2 mètres. Hein. Fait des trous. Tape, ça fait jouer. Allez, allez, fais jouer. En pointant, tu vas rien faire. Fais du dos même que tu peux. Allez, Jean-Mi, ouais, je peux faire comme il a fait lui. Hein. Oui, mais après, voilà. Si toi, tu passes, c'est pareil. Si la tape, ça fait jouer. Ça n'a pas l'intérêt de bien jouer les deux si ça se passe pas correctement. Il tape, c'est tout. Des fois, il peut être un peu entre la boule et le but aussi. Un peu court. Ouais. Il n'y a pas un carton en plus, pourquoi il a mordu. Peut-être. Il a fait jaune, il a fait deux fautes de suite. Ah, Udo. J'ai rien dit. Allez, ça a bien la pointé. Hein. Même quand je dis rien, on... Bah oui, vous faites des gros yeux. J'ai pas de lunettes, j'ai mal aux yeux. Là. Vous avez le bouchon de là, vous avez pas le bouchon. Je vais tirer, ça m'énerve. Ah, Ludo. Alors, comme disait Ludo tout à l'heure, si on tire avant de pointer, maintenant il y a intérêt à bien jouer les deux qui restent. Cours. Ça là, déjà, elle est bien. Bien, bien, tu es rentré. Ouais. Si en plus elle est rentrée de l'autre, c'est encore mieux. Mais déjà, celle-là est en plein milieu. Hein. Allez, Jean-Mi, essaye de. Oh, le dégât. Ah ouais, je suis rentré. Il y a une heure que nous avons débuté cette finale. Une heure de jeu. Et on vient de passer à l'heure de jeu à l'instant. Dans cette maison des sports où il fait toujours bien chaud, hein, Jean-Luc. Allez, Jean-Mi, il fait bon. Rentre encore. J'allais dire dans la fraîcheur auvergnate. Bon. La boule là, faut. Moi, je croyais aussi. Vraiment, quoi, faut pas être bon, on l'a manqué deux fois, je peux le dire. Ils ont bien joué, les deux qui l'ont resté. Parfois, ils ont bien. Belle défense. Ils ont bien colmaté. Après, j'en manque des boulets, je suis pas un robot. Il n'y a plus qu'à attendre. Tirer beaucoup, hein, pour, et en plus à 10 mètres. Hein. Moi, je serais presque d'avis de tirer à celle de gauche. Voilà pourquoi le carton jaune. S'il y a tiré, je pense que c'est celle-là qu'il faut tirer. Parce qu'il a soulevé le pied gauche avant que la boule touche le sol. C'est bien, parce que je lance au tir. Je tire la mienne, on verra ce qui se passe. Après, même si je la frappe, je vais pointer derrière. Je vais tirer celle-là, on verra. Hein ? On sait pas ? Après, c'est vrai qu'en tirant, il peut faire du boulot. Allez, Toff. Allez, Toff. Tirant, allez, avec un petit aussi, peu de chance, ça peut, allez, ça peut faire. Allez, top. Non. Sur les deux. Bien tiré. Ouais, contré dans une des siennes. Il est quasiment tiré. Passé par-dessus l'autre noir. Tiré, hein. On va le revoir. Elle n'est même pas sortie, la noire. Ouais. Oui, tu peux tirer la mienne encore. Ouais, c'est ça. Si je frappe, si tu touches pas le sol, tu peux pointer. Si je casse, tu n'es pas loin de casser les deux noirs. Mais le fait de toucher le sol, ça va faire passer par-dessus. Allez, de toute façon, il faut faire quelque chose. Regardez, c'est futur champion et championne de pétanque. Allez, top. C'est bien joué encore. Oh, ben là, il a sorti alors. Là, il a failli faire un truc. Il avait sorti la boule qui n'était pas sortie le premier coup avec la scène qui est bonne, mais la noire est montée sur la ficelle, elle a reculé. Ouais. On va le voir là. Hop, hop, hop. Là, hop, elle monte. Elle revient. Et si elle, la différence, c'est que si des fois elle traverse. Christian Fasino, il avait 6 au carreau à la noire 2 hein, quand même. Ouais. C'était pas la même. Hein. 5 au carreau, pardon. Je pointe ma première. C'est toi qui vois, si elle passe, t'en fais 3 sans jouer. C'est toi qui vois, Kiki. Moi, je serais d'avis pour tirer. Tu manques la première, tu pointes l'autre. Tu frappes, t'en fais. C'est toi qui vois. Il reste 30 secondes. Allez, on a même pas le temps de. Allez, Christian. On a même pas le temps de.
Je vais jouer là. Par contre, j'ai tapé, imagine-toi, ding ding. La première nous fait un peu de mal en fait, en le croisant là déjà. Ah bah oui. Ah, c'est sûr que t'as failli avoir un gros joker. Ah, je vois mieux que ça même. Ouais. Il a choisi de porter d'abord, Christian Fassino. Super. Non, mais il y est. Allez, Kiki. Bien joué. Ah oui. Hein ? C'est bien. Allez, joue pareil. Allez, Kiki. Là, le chrono, allez, là, c'est là, bien, le chrono, on ne repart pas. Alors, hein, comme ça, au moins, il y aura plus de temps. Joue aussi bien celle-là, si tu peux. T'as demain, je voyais mieux que ça. Hein. J'étais croisé. Toujours, il y a quelqu'un qui m'a soumis une idée que j'ai trouvée. Allez, Kiki. Pas mal du tout, mais... Ah, bah, si. Mais pas mal, va falloir nous la faire partager, cette idée. Après, c'est pour la mettre... Après, c'est pour la mettre en œuvre au niveau des timers et tout ça. Il en faudrait deux, mais... Comme des fois il y a des joueurs, bon, on va pas citer de nom, mais qu'il leur faut un tout petit peu plus de temps pour jouer que les autres. Ouais. Ou non, sans parler de ça, bien joué encore. Ah oui, bien joué. Ouais, 3 points. Super, c'est dans le cercle Christian Fassino. Oui, comme il y a des. Il y a des situations de jeu qui demandent plus de réflexion que d'autres. Ouais. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pourquoi au début, puisqu'il y a 6 joueurs qui ont une minute pour jouer une boule, on leur donne pas 6 minutes. Alors, un créditant. Voilà, 6 minutes. C'est-à-dire que si le mec en bouchonne, ça prend 10 secondes. Et du coup, si après, il y a une solution qui est un petit peu plus compliquée, ben, on pourrait mettre une minute 50 et rester dans les temps. Voilà. Allez, Damien. C'est effectivement allez, continue. Une idée intéressante. Il n'y a pas beaucoup de gens. J'avais trouvé ça, oui, j'avais trouvé ça. J'avais pas pensé, un créditant que le joueur utilise à sa guise. 6 minutes c'est pour jouer 6 boules, allez, voilà, parce qu'il y a des situations qui demandent un peu plus de réflexion que d'autres, évidemment. La belle vie. Et après tout. Mais pour ça, il faudrait. Allez, ça sort bien. Ouais, bah oui. Allez, on est devant, c'est bien. Là, c'est pas beau, là, mais bon. Allez. Vous en avez parlé avec. Allez, fais-moi un mot. Barthélémy, le grand ordonnateur de. Non. Qui œuvre toujours avec efficacité, lui aussi, avec ses équipes. Je sais même plus qui m'en a parlé. J'y pensais plus du tout. Ça vient de me revenir comme ça à l'instant. Là. Voilà. Bravo. Bien. Bien joué. Ça va canarder. Il y a deux artificiers de base, hein, qui sont Mason Dur qui est Michel Puccinelli là qu'on voit. Ah mais ça, qui est pas manchot non plus dans ses exercices, donc ouais. Une équipe pour partir à l'assaut, ça c'est sûr. Ouh, casquette alouette. Un peu de place. Ah Udo. Ah il y a un peu plus de place. Il devait y croire mieux. Oui d'ailleurs on voit qu'il se baisse un tout petit peu. Allez, Udo. Ouais, mets dans le bouchon. Chris, continue. Des allez, te gêne de rien, Chris. Ah, il était droit au fil, mais derrière. Derrière, dommage. Eh oui. Bien tiré, attends. Mal tiré. Allez, celle-là. Bien tiré, qui dit mal tiré, dit l'autre. Oui, mais c'est dans la lignée de. Allez, Chris. De leurs échanges. Oulala, ce joker. Excusez-nous, mais je vais être obligé de prendre le tir dans cette partie ou quoi? Oh ce joker. Eh oui. Ah, Jean-Mi, qu'est-ce qu'on fait? Mène annulé. Christian Fassino qui essaye de faire un peu d'humour. Pas sûr que ça fasse rigoler Jean-Michel Puccinelli. Mais c'est mieux tirer comme ça que derrière. Ou mes endures. Voilà, c'est Joker de chez Joker. Hein. L'annulation de cette main involontairement tombe à pic pour l'équipe Sario. Ouais,
Ah bah Damien, là, je sais pas où tu vas jouer, mais... Eh ben, mais c'est le point non, mais, non, mais ma première, et je dois tirer comme ça. Elle m'a tiré, je suis tombé derrière. Quoi? Ça a tourné. On était pas bien. Ouf. Alors, allez, alors... Damien. Allez, Damien, essaye ouais. de la mettre belle, là, on... Hein, il y a un bon 10 mètres, là, c'est pas la même. Hein. Ils en ouais. avaient un qui était moyen, une boule encore, ouais. un manqué double. Pire, hein, je pense que là, on voit, il est pas rien mal, ou moyen as. Ouais. ouais, ou même ouais, là, moyen. Comme tu veux. Hein. Pas pareil. Hein. Moyen, moyen, mais... hein c'est dur, tu fais attention. Hein. Ouais. Allez. C'est bon, c'est bien. Dis, tu peux pas aller la sortir. Hein. Allez, Damien. Ça fait partie, de... ça fait partie des boules, là. À la fin d'année, ça s'équilibre. Pareil. Il paraît, ouais. Bravo, bien. Bravo. Bien. Derrière le but. Il tape mieux, reste là. À hauteur du but. Ça, ça avance. À hauteur du but. Bien, ouais, rien. Allez, elle a bien roulé, là, ça. Allez. Il a joué dans les pierres. Avec des pierres. Alors, vous mettez-vous d'accord. Vous soyez là. Je sais pas, lui, il dit de venir là. Mais moi, je veux me mettre là, moi. Non, c'est bon, Daniel. Oh, c'est que des pierres. C'est bon. Ah, Udo. Nous, on a le droit. Nous, on a le droit. Nous, on a le droit, nous. Un, deux. Là, maintenant, voilà, les arbitres, ils font appliquer le règlement strictement. C'est bien à côté de moi. Au niveau de la position des joueurs, parce que... En fait, on n'avait même pas tellement remarqué parce que, en général, ce sont les malgaches qui restent un petit peu au milieu du jeu. Alors, certes, pas volontairement, mais bon, c'est pas c'est dans le règlement. Bravo, Ludo, bien. C'est le règlement, c'est qu'il faut que l'équipe adverse soit derrière le bouchon. Ou derrière le rond, voilà. Mais qu'elle soit pas en aucun cas au milieu du jeu. Et d'ailleurs, ils ont bien fait leur travail, les arbitres, puisqu'on n'a pas remarqué en demi-finale que les malgaches étaient au milieu du terrain. Donc c'est qu'il n'y était plus. Ouais, on va tirer. Ouais. T'as raison, sur sinon, la base. Sinon, chaque fois, chaque fois je le signale. Ouais, ouais, j'en mets dit qu'il est beau, donc êtes... il doit être beau. Non. Allez. Vous aurez allez, pas essaye échappé. De la pousser. Allez, Toff. Allez, canard encore, là. Allez, juste à pousser, Chris, ça serait super. Et un peu court, il a rebondi au-dessus encore. Et au pied. Ouais. Elle a pas raclé. Oh là là. Elle fait un bon encore. Il n'y arrive pas non plus. Verdict ? Au pied, mais. Mais il est en direction de la nôtre, peut-être, non ? Laquelle, tu dis ? En direction de la nôtre ? Non ? Elle n'est pas au jeu, parce que. Oui, tu peux. Hein. Je pense que là-bas, après, ça descend peut-être comme ça. Bah, disons, plein centre. Ouais, ouais. Cherche pas trop à la tienne, mais plein centre, plein centre, tu peux toucher la nôtre. Hein. Ouais, allez, tu peux jouer en direction, tu peux faire le bec, tu peux tout faire. Ouais, ouais. Allez, Damien. Allez, Damien. Allez, t'es capable, tu peux encore le gagner. Dès que tu aimes pas. On joue moins bien. Ah, ils sont un peu en panne de tir, les rouges là, alors oula, ça a traversé le jeu. Un peu en panne de tir, donc forcément ça complique un peu les choses. Elle est à sa place. Et encore, ils ont elle est à sa place. Je vais tirer pour faire jouer Kiki, non ? Un peu de réussite. Pointer d'abord, après tu tireras. On ne sait jamais. Hein. Oh. Je vais tirer. Pas spécialement de boulot au jeu, tant pis, hein. même que je ne regagne pas. Tu peux envoyer par là si tu veux. Hein envoyé loin, moi. J'ai envoyé trop loin. Ouais. Ouais, tu as pas serré en plus. Non, mais c'est que tu n'as pas monté peut-être. Ah, les deux. J'ai envoyé trop loin et pas serré, alors comme ça. Le dégât qu'on fait quand même. Allez, Christian. Allez. Allez. Ah, c'est moi. Je la tape, il était beau, hein, je te le dis. Oui, je pense qu'on a joué le jeu. Hop, 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 elle a pas pu l'écouter, donc elle s'est je l'aurais pas touché, hein. Je l'aurais pas touché. Oui, hein. T'avais la bonne force pour faire un truc. Je l'aurais pas touché, hein. Je l'aurais pas touché, hein. Sûr
Ah oui, allez, fais jouer, on va voir, peut-être que... Allez, refais-le. Allez, refais-le jouer. Il aurait touché. Allez, fais un effort, Chris. Je suis pas sûr. Ah, j'aurais pas touché ta boule, hein. La bonne force, hein. Purée. Pas heureux. Léa. Super. Bien. Heureusement, je pense qu'il parle assez doucement pour que Jean-Michel Puccini ne l'entende pas. Parce que... Bah oui, elle est... J'ai failli la manquer, je tombais sur le pavé. Elle est presque pareille. La carte qui est presque pareille. Allez, Ludo. Allez, Ludo. Allez, ça va faire venir la dernière, ça arrive. Ah, ils peuvent encore faire une belle main, les... Oui. Équipe Montoro. Allez, Ludo. Montoro et consort. Ça boule à une. Allez, Ludo, force-toi encore. Certia, pour l'instant. Trois points par terre pour les blancs. Ouais, on m'a fait 3 points, oui, ça d'accord. Il peut partir. Ah, mais il y en a un qui est... Ouais, 2, alors 2,5. Ouais, je sais même pas s'il y est déjà. Celui qui est de, celle qui est 2 mètres derrière, ouais, mais celle-là, elle compte pas. Pas vraiment pour l'instant, mais là, c'est important de, pour Ludo de bien jouer celle-là. Et c'est sûr que s'il fait jouer la dernière tout de suite, c'est bien. Ça évite déjà de partir à tirer celle qui est devant. Avec la réussite qu'ils ont en ce moment, ils pourraient croiser dans le bouchon. Bravo. Hop, hop. Bien joué. Après, Kiki, moi, je jouerai comme ta première. Bravo, oui. Ouais. Hein ? Ça peut te servir. T'as rien pour court. Ça, c'est du beau boulot, ouais. Hein, Kiki ? Moi, je jouerais pareil. Si je joue comme ma première, ça serait bien, parce que je toucherais la boule, au moins. Voilà, tu prends la boule, tu peux prendre le bouchon, t'as rien pour court. Essaye de rentrer dedans, là. Allez, approche encore. Peut-être pas plus mal. Allez. Allez, Christian. Allez, Kiki, envoie dedans, là. Même s'il ne gagne pas, il reste devant, oui, là, c'est bien. Mais c'est ça, mettre une dans le paquet encore, c'est bien. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être essayer de la laisser devant, mais... Elle s'engage que moi. Oh. C'est court. Pour être devant, elle est devant. Elle est devant. Ouais, mais... Devant, quand, oui, dans, devant, dans l'axe, pas, quoi. Non, mais plutôt que de prendre le risque d'être long et de manquer la boule et le but. Et de... Je vous taquais. Ça me fait chacun, je me fais croire, c'est lui. Moi, c'est la même game, les gars. Et c'est la barque une, plus. C'est plus contré dans l'autre et tout. C'est Michel, si j'en tire une bien, quand même. Mais là, Michel, mais dis pas, toi, je suis d'accord, mais. C'est une main, si. Honnêtement, t'en as deux, toi, j'en ai deux, frère. Tu en mets une sur deux. Il en met une sur deux, t'en fais trois. Si t'en mets une sur deux, ça sera bien. Si on en fait deux dans la même. Qu'est-ce qu'il va faire à matière, ça va faire quoi de plus, Michel? Tu veux même pas que je tire, quand même, frère. Tu devrais le dire, les gros. C'est bon point, ça, Jean-Michel. Parce que le jeu il est un poil plus haut. Ça négocie. Hein. Si on ne peut pas, Michel Cannes. C'est même comme ça se passe. Ça... On a 4 boules, ça se passe. Je vais faire un crochet, je vais taper la mienne. Non, mais tu peux contrer là en tirant là. Ah, laisse-moi tirer. Donc, de moment, tu devrais dire, allez, tape les boules, cattes-les. Tu veux même plus tirer. C'est pas que c'est je veux plus tirer. Ah, bah, oui, c'est le jeu. Heureusement que c'est le jeu. C'est la main chacun, c'est payé là maintenant. Allez, vieux. Allez, Besson. Allez, petit. La main chacun est payé là maintenant. Et si tu veux gagner sur la main, tu gagneras pas sur la main. Mais ils sont bons les points. C'est pas ça. S'il fait un carreau dans les deux. Normal, c'est meilleur. Ouais, ça tire loin, Jean-Michel. C'est normal. Moi, je l'ai gagné deux fois, mais c'est des. Mais jamais une sur deux, on en fait deux ou trois. C'est bien, ouais, il est payé là même. Il tombe dessus quand même. Mais bien sûr. Ouais, mais il tombe dessus et après, ça fait quoi? Je vais pointer. Ça fait des boules en moins. Et celui-là, quand même. Celui-là, il est bon et celui-là, il est bon pareil, Ludo. Enfin, je sais pas, moi, il y en a sept. Et on a joué comme ça. Et on en fait deux ou trois, c'est bien. Votre avis, mon Jean-Luc, là, sur. Ils sont en train de parler parce que là, ils sont peut-être pas certifiés d'attache. Non, mais c'est quoi, là, faut continuer à tirer ou quoi? Non, mais là, il faut pointer maintenant. Ouais, ils sont dans les deux. Oui, parce que là, les trois qui sont autour, elles sont. Il fait casquette, ils tombent même plus bas, il fait pas aller, mais tu peux même jouer. Christophe Sario, donc. Après, ça, c'est encore autre chose, mais déjà, si tu frappes. Là, maintenant, il faut rentrer de celle de devant là-bas, et puis après, il va falloir tirer à celle qui vient d'arriver, là, que Messon vient de pousser un peu. Alors, faut pointer comme ça et ajouter des points. Ça, c'est bien aussi. Ah, ben ça, on prend en comme ça. Jean-Michel, fais-moi regretter encore. Je peux tirer la dernière. Allez, fais-moi regretter encore. Allez, Jean-Michel. Ils sont super bons, c'est bon. Non, mais on a fait le jeu, c'est tout. Il se passe ce qui se passe. Après, c'est vrai que s'il a le bonheur, mais c'est dur de faire un carreau dans ces deux boules, ils peuvent presque gagner. Mais après, c'est compliqué, mais ils ont la possibilité. Bien. Bien joué, Jean-Michel. Bien joué. Et rentré. T'as deux, t'es rentré. Bien, frère. Il y en a deux, t'es rentré. Allez, mets ça. Allez, trois, les payer. Non, parce que là où t'es passé, tu tapais dans la boule, Jean-Michel. Ah, mais ça, fais un effort là-bas. Ah, ça y est, là, ça c'est. Tu joues plus bas s'il n'y a pas la boule. Ça chatouille pour.
Bien, payé la même. 3 points. Et ben voilà, ils disaient 3, c'est payé. Voilà, ils arrivent finalement à ce que je voulais. Voilà, exactement. Mesonnur qui a tiré. Et ils ont les 3 points que voulait Jean-Michel Puccinelli. La paix des ménages. Et ça fait 10 pour l'équipe Montoro. Voilà, bravo. Je tire pas bien, je suis d'accord. C'est la finale de la cinquième étape des Masters 2018. Nous sommes à Clermont-Ferrand, la maison des sports qui accueille ses champions. Bon, 9,70. Et l'équipe Montoro à 3 points de doublé. Oui. Il marche pas vite de mettre. Ah ben oui, ce serait un doublé inespéré il y a encore une semaine. Et qui, après 3 étapes, était au fin fond du classement. Avec 2 points. Ah, attention, c'est plus mou par là. Et là, ils ne sont pas au fin fond du classement pour cette 11e main. Ils sont au bout du monde, 9,30 m. Ah, il faut venir prêt. Allez, dos. Voilà. Le problème, c'est si tu tires pas après tu tires. Tu tires plus, voilà. Après, c'est pas ce qui se passe, on en a 4 dans la main. Rentrer au point, mais c'est pas sûr. Les tireurs discutant entre Mesonnur et Damien Hérault. Oui, tu as 5 quarts d'heure. Qui conforte Mesonnur que, oui, c'est vrai que si tu ne tires pas à ce moment-là, tu ne tires plus derrière. Ah, mais il a raison, une fois qu'on a commencé à pointer, après, il ne pourra plus tirer s'ils en ajoutent un. Après, voilà, ça ne s'est pas spécialement bien passé, mais ils en ont fait 3 quand même. Parce que la première, s'il a un doigt de moins, ça allait faire du bruit, hein, mais Mesonnur bien joué encore. Il avait eu sa deuxième victoire de suite, Ludovic Montoro. On n'a jamais pensé à élire depuis le début, là, parce qu'on n'y pense pas un peu à la fin. Oui, il faut m'en parler avant. Parce qu'il y a un joueur ouais, on tape dedans. De l'étape. Dès qu'on approche une, on y tire. Allez. S'il n'y a rien qui bouge, je vote pour Ludo. À moins que toutes les dernières, il les joue derrière les lignes, mais sinon, pour l'instant. Je vais attendre. Pour l'instant, je vous suis. Comme ça, au moins, ce coup-là, on oubliera. Même si on oublie à la fin. On leur a dit à un moment là. Voilà. Ce qu'il fait jusqu'à présent, c'est un festival qu'il est en train de faire. Hein. Ah ouais, ça c'est bien joué, mais alors c'est un poison. Ouais. Bien joué, Damien. Pour la main. Ah, t'as bien joué, attends. Par contre, le caillou, j'espérais faire un petit truc, fallait que je. Ben, mais on. Bah, allez, peut envoyer dedans, mais non. Là, c'est mouillé, hein, avec une ou deux. Elle peut faire le bec, peut tout faire. Et après, on peut tirer, hein, c'est pas grave. Venir un peu plus. Oui. Allez, hein. Ouais, tu laisses venir. Tu peux faire le bec à la tienne, tu peux tout faire. Hein. Tu peux la monter au bouchon. Allez, Damien. Ouais, je joue pareil, légèrement, à pouce légèrement, puis voilà. Tu peux gagner un peu de terrain à l'envoi, c'est. Il suffit que sur deux boules, on arrive un peu à la décrocher. Je vais dire, on aura 3 belles boules. Allez, on va dedans. Allez, Damien. Il faut laisser venir un peu, ouais, maintenant. Il faut jouer un peu plus fort que le jeu. Et voilà, comme ça, mais par contre. Il aurait fallu qu'elle reste, reste à droite. C'est ça. Bien joué. Je suis à droite des boules, je vais passer à gauche. Ouais, bien joué quand même. Hein. On va le voir, qu'elle a pris une drôle de, Kiki, pareil, de trajectoire quand même, parce qu'elle était bien jouée. Ah, elle arrivait pile. Dans l'axe des boules. Hein. Hop là, et voilà, on a tourné. Et là, va comprendre. Ouais. Je vais envoyer plus loin alors. Il va le faire. Voilà, prise virage. Il va le faire et après je tirerai. Allez, petit. Je pense qu'il y a un dévers. Ouais, il en voit mieux lui de toute façon. Oui, non. S'il est prêt, il peut décrocher un peu. Mmh. Christophe Sario, il y a des grandes chances qu'il en voit. Ouais. Après, des boules là. Et alors. Dommage. Bien joué. Il a pris quelque chose. Fais l'effort, ta première, là. Ah, dommage, hein, t'avais bien joué. C'est hein. Bien, mais bon. Dommage. Qu'est-ce que c'est que dommage, là pas mal, hein. Il a pris le bouchon, il a fait. La caméra. Il voulait en faire deux contre la ligne. Hein. Allez, vieux. Ah, mais ça, il est bon, je vois de Ludo encore. Et là, maintenant, c'est loin. Il y a loin.
Sur bout du monde. Alors. Allez, un coup sur deux, c'est bien. Allez, Messon. Allez, Messon. Allez, petit. Ouais, Ludovic Montoro, hein, qui gentiment avait prévenu notre ami cadreur, qui est juste derrière. Attention, non. C'est un guerrier, il est resté en place. Pour qu'on profite du meilleur, voilà. Et c'est bien tiré. Oui, à 11 mètres. En deux temps. Un doigt plus bas, c'est tiré. 10 mètres. On le voit, quand il se baisse au fond là-bas. Quand les tireurs se baissent comme ça, en général, c'est qu'il voit la pile. Ouais. Allez, essaye de le gagner, ça serait super. Tu le gagnes déjà, tu me laisses mes deux boules. Allez, grand. Allez, Chris. Mais déjà, il a fait jouer deux boules, Christophe Sario. Et en plus, il a cassé le point de Ludo, Montoro. Bien joué, Christophe. Et bien joué. Oui, oui, oui. Bien joué deux fois. Hein. Bien joué deux fois. Hein. Bien envoyé deux fois. Allez, bon. Allez Jean-Michel. Allez, Jean-Mi. Allez, ça change demain après. Allez, Jean-Mi, essaye. Oh, bien tiré. Bien tiré, frère, ça. Bien tiré, oui, c'est sûr. Ah bah, cette distance-là. C'est remarquable. Kiki, par là, là. C'est bon, un peu les gants, le couloir. On a toujours une boule d'avance. Allez. Vous laissez venir un peu. Je pense, ouais. Hein? Oui, oui, un petit peu, oui. Avec la tire. Tu la poses là, hein, et tu laisses venir. Ta première. Allez. Tu gagnes de la première, c'est bien. Ouais, c'est. Ouais. Ça, j'ai ça, c'est bon. S'il fait un bel effort la première, il nous laisse boule à boule encore. Mmh. Et puis, effectivement. Ça va, il a gagné. Ça marche. Ah ouais, ça veut dire la dernière. C'est repris apparemment. Ah oui, donc force. Dommage. Il a roulé un match. Tirer, c'était mieux. Ah, je sais bien que si je fais tirer, c'est mieux. Je le sais, mais là, au point, je normalement, oui. Mais prie pour que Christian rentre la dernière parce qu'il est capable de faire recul pour gagner. Parce qu'il vient. Non, pas recul. Ah oui, c'est ça, méfie-toi parce que le Puccinelli est bizarre, c'est un Marseillais. Hein. Il est pas content. T'as pas de soucis à te faire, Christian. Non. Tu peux la jeter la dernière, vas-y. Je vais essayer de rentrer, après on verra. Mais oui. Que, il n'a pas gagné encore, hein, Ludo. Je le connais. Hein. Fais tirer. Capable. Eh oui. Dommage de pommes belles. Elle a roulé un maximum. Hein. Elle peut plus, elle le perd. Tu te rends compte, hein. C'est pas arrêté. Hein. Oh là là. Bravo, Ludo, bien. Et ça continue, festival. Une machine. Une machine à beau point. Ludovic Montoro. Allez, essaye, hein. Encore un peu de place. Allez, Christian. Alors, allez. Maintenant, il faut rentrer. Sinon, Jean-Michel Puccinelli va se lancer à l'assaut de celle qui est au fond, là-bas. Pour essayer de faire une marche arrière. Mais par contre, il y a un parcours. Ouh là là. Ouh là là. Ah ben, moi j'ai pensé comme comme Christophe Sario, moi. J'ai vu long. Hein. Bien. Je la voyais mieux que ça. Ouh là là. Il n'aurait pas gagné. Dur, hein. Hein, il a fait transpirer. Je croyais qu'il allait te le gagner là. C'est bon, pour ça je te dis. Bah tiens, tu vas le mettre. Bien, bien, bien. Hein, si, tu vas le mettre. Non, bien, ah oui, le pointeur. C'est rien pour toi le point. Allez, Jean-Mi, tu joues un poil plus haut. Envoyez tout là. Et nous, on a envoyé là. Tu l'envoies un poil plus de. Poil plus bas. C'est avec son coup de main, lui, ça va le faire revenir dans les boules. Allez, vieux. On a joué, ça. Ah, c'est bien joué aussi, ça. Alors là, bravo. Alors là, bravo. Plus
2 pour l'équipe Montoro qui se rapproche des 13 points synonymes de victoire dans cette cinquième étape des Masters 2018. C'est la 12e main qui va se jouer dans cette finale à Clermont-Ferrand, finale des Masters. Cinquième étape. Et l'équipe Montoro qui est à un point d'un deuxième succès d'affilée après victoire à Ilkirch Grafenstaden. Chez nos amis alsaciens qu'on salue. Trop long, 10m02, trop long de 2 cm puisque vous le savez, le but doit être jeté entre 6 et 10 mètres et à 1 mètre des lignes de perte sur les côtés. Allez, dos, hein. Et au fond. On est dans le bouchon encore. Ouais, j'aime bien sympathique en Alsace. On a... Ah oui. C'était bien, bien sympa, ouais. Partout, partout où on va, on est bien reçu. Les gens sont adorables. C'est vrai. Dame haute pétanque. Tu me dis après, tu me dis quand j'ai joué les boules. Tu me dis avant. C'est pareil, je me dis que tu as bien joué debout, joué debout. Non ? Allez, Udo encore. Allez. Alors, dans une équipe, il y a le tandem Sario-Fasino. Et dans l'autre, il y a le tandem Mesendure Jean-Michel Puccinelli. C'est vrai. Des échanges. Bien sympathique, enfin qui nous font bien marrer. Et c'est bien comme ça. Et encore une fois, Ludovic Montoro. Il y avait l'horloger de Saint-Paul, le film. Et l'horloger de Clermont. C'est Allez Chris, allez, fais de la place. Toutes celles qu'il a eu à tirer, elles ont été importantes, que ce soit en demi ou en finale, il les a toutes frappées. A fait Christophe Sario au moment où sa boule est sortie de sa main parce qu'il a vu qu'il était long. Salut Warren. Salut Warren. Coucou Warren. Coucou Warren. Tu leur dis qu'il dit ça. Ça te fera une tournée. On sait quoi ? Je sais même pas. Pointer, ça sert à quelque chose, on sait jamais. Ah, disons, tu fais un appui de boule, on sait pas, elle est placée pour faire un appui de boule. Prends-en une, on verra bien de toute façon. Ouais, vas-y. Il est envoyé où, Ludo ? Ici, là ? Ouais, je non, mais le va bah, doucement, va bah, doucement. Il est envoyé où, Ludo ? 20 secondes. Ouais. Donc là, on a décidé de prendre le carton. De prendre un petit carton avant de rentrer à la maison. T'es bon, tombé dedans. Petit souvenir de Clermont. Moi, je pense que on va en pointer une. Ouais. On va en pointer une et. Ouais, prends-en une, on verra. C'est fait. Et voilà, monsieur le bot. Allez. Qui vient. Allez, Damien. Ils sont avertis collectivement pour dépassement de temps. Si tu le gagnes pas, je tirerai et puis après on tirera. Allez, Damien, essaye. Allez Damien, fais-nous un petit appui là. Il a dit si tu gagnes pas, je tirerai. Si on ne tire pas, on tirera au but. Mais après, c'est pas terrible parce qu'il vaudrait mieux qu'il garde les deux siennes pour le bouchon, au cas où, plutôt que d'en avoir une chacun. Voilà. C'est que celui-là, il va être même compliqué à défendre. Donc ils vont partir au. C'est pas toi, Damien. Ils vont partir au bouchon tout de suite. C'est pas moi, il s'empêche pas. Ouais. Allez, vas-y, hein, on va le tirer, voilà. Allez, à l'assaut de la bille. Oui, parce que celui-là. En champ de patates. Allez, tire au bouchon, on verra. Hein ? Hein ? Tire. Allez. Allez, tombe dessus. Allez, fais-nous jouer encore un peu. Allez, Chris. Allez, Christophe. Allez, petit. Allez. Il est gros, il est énorme. Allez. Ah oui. Je le vois jaune, mais pas si énorme que ça. Non mais c'est bien, c'est bien d'encourager comme ça, c'est très bien même.
Il est malheureux. Et la boule n'est pas sortie. Je suis pas touché. Juste touché. Je suis pas droit, si je suis droit, oui. Aïe, ouais. Kiki. Ah ouais, il a bougé un peu. Allez. Sors-nous de là. Ah, c'est le tout pour le tout, hein. Ah, Kiki. Ah bah, de toute façon, maintenant, il n'y a plus le choix, hein. Banzai. À l'attaque. C'est ça, maintenant. Ah, Kiki. Ah, c'est droit, ce fait. Bravo, 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 bravo. Eh oui, il l'avait dit, il est gros, il est énorme. Du coup, il a même plus de mérite. Bien tiré, bravo. Ah, et Jean-Michel bravo. Puccinelli qui lui serre la main. Ah oui, très sportivement. Respect. Ouais. Ah, oh, pleine tasse. De toute façon, sur ce terrain-là, c'est voilà, il faut tomber dessus. Plein bois. C'est la. Voilà, ben c'est la. Bien, Kiki, bien. La grande classe. Ah oui. Ouais, tu es le meilleur joueur du 20e siècle pour rien. Allez, Christian Fazilo. On verra, allez, on va vas-y, s'amuser. Vas-y. Si j'y fais des carreaux à Ludo, on verra bien ce que ça donne. Allez, vas-y. Allez, c'est Ludo, le moment, continue. On va essayer. On aura fait tous les postes. Allez. Là, tu l'as bien ramassé. Allez, on attaque une mène supplémentaire, la 13e, avec toujours ce score largement en faveur de l'équipe Montoro, qui est à un point de la victoire. Il a dit qu'il était 8 points, ouais, il est énorme. Devant il est juste à l'équipe Sario. On n'arrive pas à taper les boules. Fais le tirer un peu. Je vais tirer, t'inquiète pas. Je vais tirer. Allez, l'équipe Sario. Là, si je pas toujours en vie plus, grâce à ce tir au but, ouais, signé Christian Fazilo. Si je suis droit, je vais préparer. Ouais. Allez. On ne peut pas toucher terre. Un peu comme ça. Ouais, de suite. Il a tiré comme il fallait. Ah oui, ça c'est sûr qu'il l'a pris juste devant dans l'arrondi là. Dans le sourire. Ouais. Il se marre moins le but maintenant, je peux vous dire. Là, il est. Qu'est-ce qu'il a pris ? Oh, il va tirer, dites donc. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a que des pierres. Qu'est-ce qui se passe ? Ludovic Montoro qui déraille. Alors ça. Ouais, j'ai peur, il y a que des pièges, j'assure même que je viens à 60 devant ou quoi. Allez. Alors du coup, Damien Giroud, il va essayer de gagner, Damien, ce serait super. Hein, il va voir où est-ce qu'il va bien pouvoir jouer. Est-ce que les deux Montoro. Ah, même là, même que la main est terrible. Il y a que des pièges. Voilà, ouais. Ouais. On est pas trop mal. Petite traversée. Allez. Sinon, on voit dedans carrément. Bam. Allez, dame. Bravo, super. Joli. C'est bien joué. C'est joliment joué de la part de Damien Huro. Tu pousses bien, il est pas bien joué. C'est pas grave ça. Allez, bien faire jouer toi. Continue toi. Juste pas droit, c'est ça. J'ai l'impression, il m'a semblé. Je crois qu'il n'est pas droit, non. Mais bien, bien pas droit là quand même. Ah, mal parti celle-ci. Ben les deux, ça va bien la pointer, tu peux venir devant. Allez, pas grave. Ils sont pas belles les boules à tirer. Allez, moi j'avais carrément dans le trou. Ouais, ouais, les deux. Il y a que des pierres, mais bon, je t'écoute. Bon. C'est que des blocs, hein. Allez, joue où tu veux alors. Ah, mais. Ben les deux, ça va gagner. Damien, elle joue comme moi. Ben tu gagnes cette fois, c'est pareil. Allez, Ludo. Ça va faire compter. Comment elle m'a parti demain encore, le bout, j'essaie de la rattraper, j'ai pas pu la rattraper. Une seconde. Je vais prendre la force, lui. Allez, regarde dans le bouchon. Oh. Ah, c'est du bon boulot, ça.
Tu vois comment elle a répondu un peu même, hein. Ouais, je voulais une boule qui passe. Pas se te faire pointer avant. Un poil de réussite quand même. Ah, bah ouais, mais il a redonné. Comme tout à l'heure, on a fait ça, t'as fait pile. Ça. Ah, je fais une heure de fois en pointer. Ah, pointer, oui, et tu peux faire pareil. Allez. Et si t'es droit, tu feras pareil. Allez. Il paraît que quand on joue bien, on a de la réussite. Ah, oui, bah oui, t'as super bien pointé la première. Ça se confirme. Allez, essaye de rentrer. Déjà, tu rentres, après, on voit. Hein ? Allez. Allez, Damien. Allez, Damien. Essaye. Allez, fais-nous la reprise, là. Ça serait super, avec la boule. Proche. Pas gagné. Pas loin. Oui, non. Bien joué, avec Damien, qui... c'est super. Allez, charge du bien. Ben non. T'as bien joué, hein. Allez, charge du bien, Kiki, là. Allez. Allez, tire, tu casses les deux, c'est pas grave. Tu tournes. Bah, tu m'as dit que je veux tirer. Allez, tire-y, alors. Allez. Tiens, voilà. Tu veux tirer, moi ? Continue à tirer, toi. Allez. Et laisse-moi mes deux boules. On verra après, j'aime bien quand il y a la pression. Allez. Mmh. Voilà. Allez, petit attrape là. Allez, Christophe. Bon, c'était pas la bonne. Non. Non. Et ça n'arrange pas les bidons de l'équipe. Oh, c'est seul, c'est dommage. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Allez, tiens-y bien la boule, hein. Allez, allez. Là encore, c'est bien. Allez. Il est confiant, Christian Fazinon. Allez, Chris. Allez, fais un effort, faut faire jouer. Une jeune aurait assez peut-être pour taper au bouchon. Ça marche. J'ai envoyé courte, il s'est passé. Ouais, c'est un petit effort. Il n'a pas dû tomber loin derrière le but. Ah, il est bon celui-là. Sinon, moi je dis que si elle passe seule. Putain, ça... Ah. Ouf. Oula, court. Ouais. Ouais. Très très court. Très très court. Ouais. Deux boules. Regarde. Coup de barre. Ouais, c'est pas grave. On va essayer de faire quelque chose. Je me vois dans les boules. Excuse-moi, Jean-Michel. Pas grave, c'est pas grave, c'est le gagner, on passe au bouchon, mais... c'est pas. Allez, on bouchonne, Jean-Michel, c'est comme tout à l'heure. C'est de le gagner, il est bon celui-là. Allez. Allez, Jean-Michel. Allez, vieux. Trou, toi, là. Allez, c'est de le gagner déjà, on ira bien. Fais-la compter déjà. Si t'en mets un bon, même que tu le perds, tu peux tirer. Et si t'en bouchonne, on te dit rien. Non, pas ça. On va jouer ici. Ah, il avait tenté. Mmh, un peu. Okay, aussi. Un peu, oui, mais. Bon, ils ont de la marge en même temps au score. Moi, bon, je tombe sur le bouchon. Ouais, mais. Ouais, mais. Trois boules à deux encore là. Mais c'était. C'était pas mal de. De le gagner la première. Hein. Ah ouais, parce que s'il manquait un coup, tu avais gagné aussi, toi. Ah, ben, j'en ai pas, mais je rentrais, je pouvais tirer. Ah, j'en ai essayé d'embouchonner. Allez, fais compter ta boule. Ah, fais-la compter celle-ci. Fais-le forcer. N'importe où j'ai tiré en plus. Coup de barre. Oula. Allez, bien joué ça. C'est magnifique. Eh ben, ça pourrait bien faire une main de 2 ou 3 pour les rouges. Mm-hmm. Allez, c'est ça, je retirais. Et c'est ça, je retirais. Et c'est là où j'ai tapé. C'est dur à gagner, tu le vois facile, mais. Je le perds devant. Mais... Ah, Kiki. J'ai joué où, Damien ? Moi, j'ai joué avant, Christian. J'ai joué avant, là ? J'ai joué sur la droite, moi. Attends, il reste 45 secondes, Kiki. J'ai joué à droite, ici. Devant les cailloux. Là, là. Les deux, je les ai joués, là. Allez, Kiki. Et le bouchon, il a bougé un peu. Même là, t'es une belle donnée, hein. Allez, Kiki. Après, tu peux prendre ta décision, tu dis, les gars, je vais tirer. Non, mais dessus que je le perds devant, je peux tirer après, c'est vrai. Après, c'est pas une décision, c'est sa première. Si le met bon, après il tire. Et ça revient même, mais sinon. Il y a 6 mètres. Ce qu'il y a, c'est que c'était tout mauvais. Et... On a décidé de dire, les gars, je vais tirer. Autant tu tombes bien, tu fais deux bouchons.
Oh. Eh ben, il est joué, le tir au point. Il est là, Christian Fazino. Allez, mets celui-là, là. On passe la barre des 7. J'ai mis, quand j'ai manqué, t'as pu retirer, c'est vrai. Ouais, bah, c'est moi je vois, mais ça revient même. Si je la pointe bien, je peux tirer la dernière, mais ça, c'est que j'ai mal pointé la première. Oui, bah oui. Je joue le jeu, ça revient même. Je le gagne face au bouchon, c'était évident. Si tu le mets, c'est bien. J'étais deux boules, toi. Ah, deuxième, j'ai mal tapé. Je peux ajouter la deuxième. Celui-là, il sera peut-être sûrement, ouais, sûrement pas. Il avait mis de l'effet, mais il n'est pas revenu. Et ça fait plus 2, donc ça fait 7 pour l'équipe Sario et 12 pour l'équipe Montoro. Tu peux pas le perdre devant, lui, tu l'as envoyé. Non, mais sûrement, j'ai mal envoyé dans le but. Je joue nature, je cherche rien. Ouais, ouais, mais ça peut... ah, parce que c'est la première mal jouée. On entame la main numéro 14. 14e, ouais. C'est dommage, elle a vu la distance. Hein. Elle est partie à droite. Un de plus, ça aurait été bien. Hein. 8 à 12, là, on peut finir après. Bon, là, ça va être dur pour en faire 6, mais bon. Allez, ouais, faut c'est bien ce jouer. Dire, hein. C'est... Ah, la 7, ils peuvent finir, hein, l'équipe Sario. Si ça rigole. Allez, c'est de faire tirer d'entrée. Je suis sûr que allez, Sario et Damien Hero, ils signeraient même pour 2x3, même si c'est pas 6 d'un coup. Dommage, si tu mettais 8. Bah oui, je sais. Je vais tirer dans la main. On verra comment ça se passe. Vous, tu gardes tes boules. Oh, t'as bien tiré tout à l'heure. Ouais, mais moi, j'en ai pas tiré beaucoup. Bravo, bien. J'en ai pas tiré beaucoup. T'as raison. Vaut mieux que tu gardes les tiennes, on sait jamais si je tire bien. On verra. Tu fais un peu le bouchon, tu peux passer le signe. On va voir. Ah non, mais il y a pas, c'est tout. Ici, là, ici, moi qui tire. Ah oui, donc. Tu fais le bouchon, tu peux casser là, celui-là. Ah, tirer mes seins, non. Non. Allez. Tu peux pas que je tire, Jamy. Non. Allez, allez, Ludo. Il veut plus tirer. Allez. Continue, toi. Montoro qui garde le sourire. La 12, on va pas s'arrêter. On va reparler. Il finira sa carrière maître zen. Ludovic Montoro. Il peut toucher le bouchon, il peut casser celui-là. Allez, je t'écoute. Allez, tout bien ta boule. Allez, Do. Ah ouais, ça c'est. Ah, il y a des personnages. Là. Ah ouais. Boule de tir, je suis petit palais à 20. C'est fini. Je suis petit palais à 20, faut pas qu'il va retirer, c'est moi qui tire le bouchon. Et voilà. Ah bah c'est pas grave, on va tirer. Tirer. Allez. Allez, Mason. Ah, Mason. C'est bien tiré maintenant. C'est pareil, ça revient. Ouais, mais je sais que je tire, elle est belle à tirer, ça l'a pas, il manque, mais. Bah, si elle tire bien, ça revient. Ah non, il fait ça, c'est mieux, il y a 6 mètres. Elle demande qu'à prendre un palais, cette boule. Allez, Ludo. Allez, Damien, continue encore. Allez, encore une. Allez. Non, allez, continue. Allez. Je pensais que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ce que je joue. Regarde, là, vous faites une tête pas possible. Je pensais à ce que vous me disiez avec Ludo et ces deux acolytes. Là, ouais. Ça manque pas de piquant, mais le quatrième homme là, de cette équipe. Ah oui, c'est vrai. C'est oui. Que celui-là, il est... celui-là, il manque pas de piquant. Aussi, il est aux couleurs. Qu'on salue. Bravo. Michel Atchadourian. C'est ça. Allez, au revoir. Ah, mais ça, c'est grosse. Celui-là, il nous en sort. Celui-là, il nous en sort des bonnes aussi. Oui, ouais, mais ça. C'est sûr que cette distance. Ah, ben après, c'est vrai que. Ah, Kiki. C'est ouais, vrai que du coup, la boule à Ludo Montoro, là, maintenant, jusqu'à la fin, si elle ne se perd pas, ils vont regretter de l'avoir joué, mais. Eh ben, allez. On ne sait pas. Ouais. Allez, Kiki. Bien joué. Bien. Elle a gagné. Allez, bien joué. Hey, j'en ai mis la première, allez gros. Mais, attention. Voilà. Très bon tireur dans le rond, j'en
Michel Puccinelli. On fait un petit carreau deux fois là. Marseillais. S'il frappe, c'est bien déjà. Un Marseillais là. Bien tiré. Avec qui tient encore une. Le Marseillais comme le premier adversaire. Si on frappe 4. Ah, elle joue pareil, hein, de toute façon. Ah, Christian rentre encore. Bravo, bien. Encore bien joué. Bien joué, Christian. Bien joué, des fois. Et un petit peu. Un petit peu sur la noire, mais bon, après. Je le voyais court. Il était un peu court, mais. Je le voyais court. Il a la tête dure. Ah, bien. Et comme il a un tir moins bombé que les autres. Ah, puis aussi, il y a des endroits où il y a un tout petit peu plus de gravier. Non, mais celle-là, c'est. Ah, nous, on a joué sur le revers, court, là, tranquille. Dès que tu arrives vers le bouchon, c'est bien. Hein. Allez, Chris, continue. Allez, essaye de le gagner, Chris. Bouchonne. Bouchonne. Bravo. Bien, toi. Bien, Chris. Ah ouais, déjà, tu tapes déjà. C'est bien, oui, non. Hein, s'il fait 20. Ah ouais, c'est bien. Ah, Ludo, c'est, bien coup, c'est pas bien parce que si Ludo, il tape que le, en tapant le sol, le bouchon, s'il va contre la. Il y a Jean-Michel Puccinelli qui en a une complètement au bord de la ligne. Et s'il il fait 20 ou 30 cm, après, il va être plus dur à gagner. Parce que c'est comme ça, mais ça, attends. Si on en prend une option, on va pas dire si c'est ça, c'est ça. Pas grave, ça. Qui se termine sur un point en faveur de l'équipe Sario. Parce qu'il leur restait une boule à jouer. Et bien voilà, 8. Il n'a pas dû passer loin. Ah ouais. Il la touche. Ouais. Il fait casquette en fait. À la, il a touché la boule. Parce que je me disais, mais comment on peut taper le bouchon sans taper la boule. Comme j'ai tiré, le bouchon il va bouger de 30. Allez, 8 mètres. Casquette. Alors là, il n'y a, bon. A pas un mètre. Peut-être. Il joue à 50, non? Non. C'est pas bon? Oui, on va mettre. Non? Bon jeu. Là, c'est bien, là, vas-y, là, dans le béton. Là. Dans le béton. Ah, tu vois? Il faut voir s'il est bon. Bûche-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, il est bon. Voilà. Mais attends, il veut le garder pour quoi? Il veut le garder pour la semaine prochaine, le bouchon. Ah, il est bon, il y a 9 mètres. Oui, il est toujours 9 mètres 30. Il est loin, du coup, Jean-Michel Puccinelli. C'est-à-dire, ils ont 12, ouais. Oui, oui. Allez, essaye de la mettre belle. Mais ouais, ça dire, hein, tu la mets belle d'entrée, ouais, là, ça peut jouer mais peut-être toute la D'un autre côté, c'est pas eux qui jouent les premiers, donc. Ouais, tape comme ça. Oh, faut y a le gros caillou, là, en face. La hauteur, là, ici, là. Ouais, voilà, exactement. Hein. Ah, oui, ce serait pas trop mal. Allez, allez, fais tirer tout de suite. Tu fais le public sur Internet. Non, c'est vrai. 9 mètres 30. Allez Damien! Allez Damien! Si t'as 12-12, de toute façon c'est pareil. 12 pareil, t'as gagné, on le savait. Aïe! Damien! Aïe! Ouais. J'ai vu ta douche, je sais même pas si c'était bien. Bien elle est à sa place, Damien! Ah ouais, je sais. Hein? Je sais même pas si c'était bien. C'est long. Long. Laisse beaucoup de place à Ludovic Montoro qu'on n'a pas besoin d'autant pour faire des merveilles.
Comme c'est jamais trop. Allez, donc continue à bien pointer. Je vais toujours plus cocher. Des pierres. Regardez les boules qui vont passer nous hier. Les boules, la même couleur. Le vernis qui s'en dessus, ouais. C'est là pour jouer à l'intérieur. Ah oui. Les anciennes, j'avais pas du tout de tenir. La boule, tu vas pas manquer ta mise. Ah, tu peux tirer. Non, mais c'était mou. C'est le match, je crois, d'à taper. T'as vu, je tire des. Ah, boulement, là. Ah oui, oui, oui. Ça part pas bien, c'est dur. Je sais pas combien il pèse. Ça part pas bien, d'accord. On va se rapprocher un peu, non? Ouais, c'est ça. Pareil, champion. Comme vous. Ouais, c'est remarquable. N'importe quelle ouais, distance. Mais bon, on va nous faire un petit appui là. Sur la pluie, après, on peut gagner. Ouais, il avait pris son temps. Ouais, vas-y, va. Pour jouer cette boule avec mon taureau. Ça sert à rien de tirer. Comme s'il si avait le sentiment de bon, les gars, là, on ferme la boutique. Allez, ouais, là, on sait jamais. Si t'approches, on peut tirer. Tu lui fais un petit quelque chose là qui nous sert un peu. Allez. Allez, Damien. Ou bien celle-là, là, approche. 9 mètres passés quand on a 12 dans ce genre de terrain. Et que l'adversaire a déjà rendu une boule, il est assez intelligent pour comprendre que si lui va pris, il va les mettre en grande difficulté. Alors celui-là, est-ce qu'il se défend? Il n'y a qu'à faire ça avant déjà. C'est dommage. Rien que ça, non, mais dommage j'ai que déjà... elle n'est pas restée droite. Hein. C'est que dire. Hein? Allez, je vais tirer moi. Moi, je vais dire, je tirerai la boule. Oui, mais on tire la boule, oui. Bah, oui. Ah bon? Bah, ah non, on va tirer la boule. Parce qu'il suffit que. Ah, la boule, non, bah oui. Tout va jouer. Il y a quelque chose qui me dit qu'ils vont perdre sur ce domaine. C'est allez, la première Chris, fois qu'ils sont d'accord encore. De la journée. Qu'est-ce qu'on va faire ça avant? Allez, Chris. Allez, essaye de la pousser déjà. Ça cache quelque chose. Un signe. Un signe du destin. Bien tiré. Ah. Est-ce qu'il y en a assez, on dirait. Ça va? Tu as fait un gros effort. On n'est pas bien, mais tu as fait un gros effort. Si y en, si y en a assez, c'est bien tiré. Ouais. Parce que je suis au pied encore. En manquant, ça a condamné Christian Fasino à partir au but. Ah, bah vous, c'est une boule de bonus. Allez, donc. C'est bonus, si je le perds, tant pis, et on a quand même la boule d'avance. Pourquoi tu veux le perdre? Allez, tu vas le gagner. T'as raison, frère. Allez, il y a loin, il y a 10 mètres. C'est bien, si je le perds, vous avez encore les boules. Allez, Udo, fais un effort. C'est vrai qu'ils pourraient partir tirer tout de suite. Hein. Maintenant, ils ont 5 boules pour 3, plus celle qui est par terre, ça fait 4. Donc 5 boules pour en taper 4, droit à l'erreur. Mais comme c'est loin. Allez, continue. Que le terrain est difficile à tirer. Allez, et à pointer aussi, mais que Ludo Montoro a fait jusque-là des merveilles, et ben, ils vont lui faire jouer la sienne. Waouh, bravo. Chapeau l'artiste, ça c'est de la magie. Hein. Là, Ludo. C'est magnifique ce que fait Ludo Montoro, quel talent. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On pointe, soit on tire deux fois au bouchon. Comme on veut. Et c'est. Si on tape la boule? Si on tape la boule, hein, je me retrouve 2 contre 4. Hein. Et alors? On sait pas? Et 10 mètres? Depuis. Allez, allez, vas-y. Façon, il m'en faut, t'inquiète pas, il m'en faut pas deux pour taper le bouchon. Hein. Bah. Allez. Allez, Chris. Allez, fais-nous un petit carreau là, ça serait super. Ah oui. Oui, mais tout à l'heure, c'était un peu plus près là quand même. Allez, Chris. Là, il est un peu plus loin quand même. Mais après, on sait bien qu'il est capable de taper le bouchon même à cette distance. Mais... Allez, fais-le. Oh, le carreau. Le carreau recul qui sort de nulle part. Bravo, bien tiré. Et ça, c'était le moment de le sortir, celui-là. Ouh, il était droit, mais alors. Ouais, juste derrière. Pas mal tiré. Non, pas ça.
Elle était pas mal tirée, ta boule. Et ouais, mais c'est manqué. Ouais. Non, pas possible, bordel. Incroyable, c'est vrai, ce carreau qu'il a sorti. J'ai pas le choix. Allez, mon Besson. Ça arrive à ce moment-là. Putain, maintenant, boule à boule. Allez, pousse-la, on est boule à boule. Bouchon, il bouge, il est encore à nous derrière. Allez, Besson. Moi, dans ma vie. Allez, Durk. Ah, oh, bravo. Ah, bravo. Ah, ça, c'est fort. Très, très fort aussi. Allez, Kiki. Ah, il tire ah, bien. Arnaud, la première, juste au fil comme il a tiré. Arnaud, le carreau avec ça. Essaye de nous faire un petit truc là. Même tu frappes déjà, c'est bien. Allez, Christian. Allez, Kiki. Allez, force un coup encore. Ah, bah là, de toute façon, quasiment condamné à. Allez, Kiki. Il tapait à la première. Fais-nous un petit carreau là. Ah, le public qui réclame. Vous allez au but, non? Un carreau. Vous allez au... Non, pas tirer au but? Non. Allez, Kiki. Il semblait que le public réclamait ça. Attention au bouchon, quand même. Ah bah non, qui tire pas au bouchon. Non, mais maintenant, ils sont boule à boule. S'ils frappent, c'est bien, déjà. T'as raison. Le point de gauche, ils ont jugé tout à l'heure qu'il était bon, puisqu'ils ont tiré à la boule, donc comme il n'y a rien qui a bougé, il est toujours aussi bon. Putain. Voilà. Ouais, j'ai vu à la main, j'étais pas droit. Là. C'est surtout que eh bah, allez, tire bien celle-là. Je suis tombé là. Qui t'a pas droit et si la main était pas droit de l'autre côté. Allez, le jouer. Il y avait le bouchon. Ah putain de merde. Maintenant, c'est manqué perdu. Carreau pour nous sauver. Ah, pas droit. Il avait senti qu'il n'était pas droit. Et bien voilà, c'est fait. Victoire de l'équipe Pontoro. Deuxième succès de rang qui les propulse très haut au classement. Alors l'équipe Sario va rester en tête de ce classement. Mais du coup, ça bouleverse un petit peu les places qui suivent. Ah oui, il va y avoir du changement avant tout commentaire. Mais oui, mon Jean-Luc. Oui. Je vote pour Ludo Montoro pour le poste de VIP. Bizarrement, moi aussi. Je suis d'accord avec ça. Voilà, pendant que les. Maintenant, on peut discuter de tout ce que vous voulez. Voilà les joueurs qui reçoivent leur médaille. Jean-Michel Puccinelli, Mason Durk et Ludovic Montoro qui méritent cette médaille d'or de la cinquième étape des Masters. On va, avant de se quitter, on va jeter un petit coup d'œil sur le classement de la journée qui va vous être proposé dans quelques instants, donc avec cette équipe Montoro qui devance l'équipe Sario. La troisième place est partagée entre l'équipe Loi Wildcard et les Malgaches. L'équipe internationale, l'équipe Robino ont inscrit chacune 2 points. L'équipe de France qui fait la mauvaise opération du jour. Elle va sortir du classement, à mon avis. Exactement. Regardez le classement avec l'équipe Sario qui reste en tête. 10 points d'avance sur l'équipe de Madagascar. L'équipe Montoro qui était dernière il y a 2 semaines. Pof, qui se retrouve à la 3e place devant l'équipe Robino. Et puis il y a le feu un petit peu là. Concernant les 3 dernières équipes, ça va bastonner jusqu'au bout pour aller chercher une place dans les 4. Et tant mieux. Tant mieux, bien sûr. Oui, ça va. Pour le spectacle. Il va y avoir du spectacle jusqu'à la fin. Le spectacle, ce sera lors de la prochaine étape. Déjà, ce sera à Limoux dans 3 semaines, Limoux dans l'Aude. Et il me reste à remercier Hervé Croza et toutes ses équipes techniques pour les belles images, la belle réalisation et la bonne ambiance dans laquelle on a encore travaillé. On espère que vous vous êtes régalé. Mon Jean-Luc, ça a été un plaisir pour moi. Plein sur l'homme du match. Le MVP.
de cette étape clermontoise. Bon Jean-Luc, ça a été un vrai plaisir de, oui, d'être à vos côtés. Plaisir de partagé comme d'habitude. Donc on se retrouvera, ben non pas à Limoux, hein, ce sera Guillaume Claret qui sera à vos côtés, mais nous on se retrouvera à Nevers pour la dernière étape avant le Final Four de Istres. On amènera les bottes. merci de votre fidélité à la chaîne L'Équipe, à la pétanque, et puis ben à très vite, voilà.